De retour ici même à Paris, à l'Accor Hotel Arena, pour vous faire vivre cette deuxième finale du Trophée Coupe de France. On vient de vivre il y a quelques instants le sacre, le premier sacre de leur histoire d'Orthez chez les femmes. Et désormais, place aux hommes, place aux deux grosses cylindrées qu'on va vous présenter dans quelques instants. Je suis en direct pour commenter cette rencontre avec Patrice Koenig. Patrice, tu es assistant coach du CCRB Chalon-Reims et également entraîneur et responsable du centre de formation de Saint-Patrice. Exactement, bonsoir tout le monde, bonsoir Lucas. Donc effectivement, ça fait 5 ans que je suis à Chalon-Reims. Et tu es responsable de ce centre de formation qui je crois, a perdu contre l'une des deux équipes Mulhouse, c'est ça, Mulhouse-Fastat? Effectivement, en 32e de finale, on a perdu chez nous contre Mulhouse-Fastat et ça reste un super match. Et on a la présentation des deux équipes qui s'installent tranquillement sur le parquet. La fin de la présentation de Montbrison. Voici les deux équipes que nous allons vous commenter ce soir. Mulhouse-Fastat en National 2 et le BCM Montbrison, deux clubs que tu connais très bien aussi en National 2. Effectivement, par le passé, j'ai joué à Montbrison. C'est une terre de basket. Il y a aussi l'équipe féminine qui est en Ligue 2. Donc voilà, on s'attend à avoir un match super spectaculaire. Et Mulhouse, hein, je le disais, Mulhouse-Fastat, c'est comme ça qu'on dit maintenant, parce que c'est la première saison de Mulhouse-Fastat sous cette appellation, une fusion. Effectivement, Fastat, c'est dans la banlieue de Mulhouse, et donc ils se sont associés depuis cette saison, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Sous les ordres d'un certain, alors on le connaît très très bien dans le basket français, c'est une icône, si on peut dire, Jean-Luc Monchaud, c'est ça? Effectivement, Jean-Luc est mulhousien d'origine. Il est revenu il y a quelques années et voilà, il entraîne cette équipe depuis maintenant 2-3 ans et il fait de l'excellent boulot. La preuve, cette année, il participe aux playoffs. On va vous présenter dans quelques instants ces deux équipes. En attendant, on vous rappelle que vous pouvez gratuitement et en intégralité regarder cette rencontre et les deux prochaines, c'est-à-dire demain dans les rencontres de jeunes U17 et U18, ce soir en intégralité sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket. On va s'intéresser un peu plus à ces deux équipes. On va commencer avec Montbrison. Pourquoi Montbrison? Parce qu'ils étaient là, Montbrison, il y a maintenant 4 ans. Une défaite à Paris contre Brissac. Ouais, Brissac effectivement a gagné la Coupe de France en 2015, 72-58. Il n'y a pas eu beaucoup d'adresse ce soir-là pour Montbrison. On espère ce soir qu'ils vont avoir un peu plus de réussite. C'est sûr que de jouer dans une grande salle comme ça, ça change des repères. Et voilà, j'espère qu'on va quand même avoir un petit peu d'adresse. On l'a vu tout à l'heure chez les filles. On avait un score vraiment moyen à la mi-temps. Si je ne me trompe pas, c'était 31-20. Et j'espère qu'on aura un petit peu d'adresse pour ce deuxième match. Tu espères une adresse? Eh bien écoute, ça va aussi dépendre de ce 5 majeur. D'abord pour Montbrison, on commence avec Rosaire Malinga, Valentin Gelin, le capitaine de cette équipe, Armand Charles et Quincy Hankins-Cole et Lionel Godou. Ouais, effectivement, on s'attend à un super match dans la raquette. Parce que un petit peu le duel du soir, ça va être la raquette mulhousienne contre la raquette de Montbrison, avec un duel entre Hankins-Cole et Cani. Et je pense qu'on va s'attendre à un beau spectacle. Tu as parlé d'Arthur et Cani. Écoute, voici le 5 majeur de cette équipe de Mulhouse-Fastat. Arthur et Cani est bien là, le numéro 15. Il sera très attendu pour cette finale, tout comme évidemment le reste de son équipe. On présente Lucas Place, Quentin Dill, Raïm May Thompson et enfin Johan Grebongo. C'est un secteur intérieur très athlétique. Ils vont avoir effectivement des secondes chances à aller chercher au niveau du rebond offensif. Mais je pense que Montbrison a également son mot à dire dans la raquette avec le joueur expérimenté espagnol à Montanana. Et il va faire exprimer un petit peu ses centimètres. On parlait de Jean-Luc Monchaud, l'entraîneur de cette équipe de Mulhouse-Fastat. On peut aussi parler de son adversaire du soir. Il est beaucoup plus jeune, il a 45 ans dans 4 jours hein, pour Jérémy Beaufort qui a repris cette équipe. Lui qui entraînait anciennement Andrézieux, c'est ça? Si je ne me trompe pas, c'est effectivement Andrézieux. C'est un très fort technicien. Je ne le connais pas personnellement, mais on m'a dit beaucoup de bien et c'est
un coach qui, je pense, va bien préparer son équipe. Et ça va être aussi un duel de techniciens. On parle beaucoup des joueurs, mais le duel Monchaud-Beaufort, je pense qu'il faudra aussi avoir un œil dessus. Le voilà, Jérémy Beaufort, qui est l'entraîneur principal de cette équipe du BCM. Montbrison, lui qui a une classe de CE2, hein. Il est aussi professeur des écoles. Et puis de l'autre côté, c'est Jean-Luc Monchaud. Est-ce qu'on a besoin de présenter ce monument du basket français? Non, je pense pas. Hein. Jean-Luc a passé des années en Pro A, notamment longtemps à Nancy, où il a gagné des titres. Et aujourd'hui, voilà, il fait les beaux jours de Mulhouse Fastat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il a entraîné les Minim France, avec lesquels il a été champion de France à Dax. Et voilà, la preuve qu'il s'investit sur l'ensemble du club. Lui qui voilà, fait partie de cette refonte, il était l'entraîneur de Fastat, il est devenu l'entraîneur de Mulhouse Fastat. Jean-Luc Monchaud, qui est dans sa ville d'origine, hein, Mulhouse, c'est sa ville natale où il y a joué dans les années 70. Lui qui avait commencé sa carrière de coach au FC Mulhouse. 17 saisons en Pro A pour Jean-Luc Monchaud. Des titres, notamment le tournoi des As au Mans en 89. Présentation tout de suite des arbitres de la partie. Olivier Adam d'un côté, Teddy Talino de l'autre. Les arbitres de la rencontre pour arbitrer ce match qui promet cette finale du trophée Coupe de France entre Montbrison et Mulhouse Fastat. On voit qu'on aura aussi un soutien des deux côtés avec des supporters plutôt en vert et des supporters en bleu et en blanc. Et je pense qu'effectivement... La guerre des couleurs, ouais. C'est aussi ça, la Corotel Arena. On avait du rose, du blanc tout à l'heure aussi, du rouge. Là, c'est la guerre des couleurs. Effectivement, il y a un joli petit banc vert tout en haut de l'écran. Ouais. Voilà, et puis... Joueurs. Un super souvenir pour les joueurs parce qu'effectivement jouer à Bercy c'est pas tous les jours que ça arrive et voilà, j'espère que l'appréhension disparaîtra vite et que les joueurs prendront un maximum de plaisir même si effectivement une belle coupe au bout, mais voilà, il faut avant tout prendre du plaisir et profiter de cette finale qui. Et il faut absolument qu'on fasse un plan, si on peut, de la barbe verte. On va l'appeler comme ça ce soir parce que Hankins Cole, là pour l'occasion, il s'est régalé avec une jolie barbe verte teintée. Voilà, il va monter très haut, il va pouvoir régaler tout au long de la soirée celui-ci. Il passe pas inaperçu, regardez-le, tout sourire. Il a claqué tout à l'heure à l'échauffement un 360, un 360. Il va tournoyer dans toute la Corotel Arena. Justement, c'est lui pour l'entre-deux en Kings Call face à celui que tu présentais tout à l'heure, Arthur Ekani. Et c'est parti, Patrice. C'est parti, supporter de Montbrison et supporter de Mulhouse Fastat. C'est l'heure. Avec tout de suite de l'intensité défensive. On a vu effectivement un écran dans le dos pour trouver le jeu intérieur Baudou. Donc c'est leur arme du moment. Donc je pense qu'ils vont beaucoup jouer s'appuyer sur lui. Et là on s'appuie sur le capitaine Valentin Gelin pour Roser Malonga. Il est bon ce ballon. Oh, il a voulu tout de suite monter très haut, je vous le disais. La barbe verte, Quincy Hankins Cole. Ça réagit avec Deal. Oh, le bon tir à 3 points, il est contré dans les airs. Il s'est bien repris derrière Hankins Cole. Le revoici, il va essayer de s'imposer une nouvelle fois dans la peinture. Et c'est repoussé. Ça fait 2 fois qu'il attaque le cercle. Malheureusement, il n'a pas le coup de sifflet qu'il attendait. Ouais. Ça, très agressif. Toujours 0-0, mais il y a 2-0 pour Ekani dans ce duel d'intérieur. May Thompson, il a la main sur le visage pour l'empêcher de shooter. Tir contesté et tir contré sur. C'est le deuxième tir contré, là. Un défend fort pour l'instant du côté de Montbrison. Malonga. Ouais, feinter l'écran de la part de Quincy Hankins Cole, ça laisse un tir complètement ouvert pour le numéro 13, Lionel Godou, justement. Il a vraiment shooté comme dans son salon et sans opposition et c'est 2 points. Lucas Place, le jeune meneur de 21 ans pour Mr. Good Deal, comme j'aime à l'appeler, qui remet. Allez, on va chercher peut-être un peu de post-up. Et Kani qui s'est imposé en défense face à Quincy Hankins Cole qui s'impose en attaque. On parlait de ce duel et voilà, pour l'instant on est servi. Il s'impose parfaitement. Il a trouvé un bon tir en tournoyant grâce à ses bons pas. Et on revoit justement un petit tir de Valentin Gelin, le capitaine de Montbrison. Voilà, il continue
à effectivement se battre pour le rebond malgré le coup de sifflet. La preuve que l'engagement sera total. Ça commence fort, il y a de l'intensité là tout de suite. De part et d'autre. Et revoici Arthur Ekani pour la remise en jeu. Et Lucas Place pour remonter cette balle. Lucas, effectivement, c'est un jeune meneur de jeu, mais qui a une forte expérience de centre de formation. Il est passé, si je ne me trompe pas, par Bourg-en-Bresse et Antibes. Et voilà, c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Il fait parfaitement jouer ses coéquipiers. Oh, la belle interception, les bonnes mains pour se lancer. Et Armand Charles pour parfaitement servir son capitaine Valentin Jelin qui score pour la première fois ce soir. Interception et contre-attaque à ce niveau, ça pardonne pas. Un ballon perdu est très vite sanctionné. Oh là là, Roser Malonga, vous avez entendu ce cri d'ici. Oh, il a récupéré ce ballon. Entre les ballons volés, interceptés et les contres, pour l'instant, Montbrison défend vraiment très très fort. Oh, il m'a donné des frissons, Roser, là. Et il est reparti. Balle en main à la baguette du jeu du BCM. Valentin Jelin, il a pu écarter. Ah, il est passé tout à l'heure et cette fois il a pénétré, il a shooté tout à l'heure, c'était dedans. Voilà, on voit toute sa polyvalence. Avant il a pris le tir en tête de raquette, cette fois-ci il a vu qu'un défenseur est monté sur lui. Un départ croisé, finition main droite, très bien joué. Ouais, Lionel Godou parfait dans son départ et Cani qui manque ce tir. Cani en manque des réussites là pour l'instant avec un tir contré et cette fois-ci un tir court. Heureusement, il n'hésite pas, Roser le catch and shoot, ce tueur. Il a d'abord crié et là il peut savourer. Ouais, ça part d'une grosse intensité défensive. Montbrison défend fort, comme je l'ai dit juste avant, et ils ont des tirs ouverts. Et pour l'instant, là, ça paye pour eux. Et ils mènent 9-2 après 3 minutes. Oh, ce sniper, le meneur Roser Malonga, de très grosse qualité athlétique. Mais là, il fait parler aussi sa technique catch and shoot, comme ça, en sortie vraiment de course, en bout de course. Incroyable. Ouais, pareil, c'est un jeune meneur d'un. Différent de place, plutôt dans le domaine athlétique. On a vu qu'effectivement il mettait une grosse pression défensive et là on a vu qu'il avait un tir ouvert et il a parfaitement conclu l'action par un beau 3 points. Eh bien écoute, pour l'instant c'est Montbrison qui commence très très bien cette partie en termes offensifs. Déjà 9 points marqués, Mulhouse bloqué à 2. Ouais. Encore 7 minutes dans ce premier quart. Effectivement, ouais. Ça démarre très fort du côté Montbrison. Donc maintenant on attend la réaction et peut-être le changement défensif que va proposer Monchaud. On attend de voir, peut-être qu'ils vont passer en zone. En tout cas, ils vont essayer de perdre un petit peu moins de ballons et d'être un petit peu plus agressifs parce que pour l'instant, ils se reposent un petit peu sur tir extérieur. Et les tirs sont soit contrés, soit trop courts. Donc, il va falloir vite mettre stop à ce manque de réussite. Mulhouse, on peut le rappeler, hein, qui a le meilleur bilan de la Nationale 2. Une équipe qui a terminé avec un bilan de 24 victoires pour seulement 2 défaites. C'est important de le préciser, le meilleur bilan de toute la Nationale 2 pour Mulhouse, Fastat. Deal. Ah, il s'est remis sur son meneur. Lucas Place, ah, il avait cherché la relation avec Ekani. Ça donne une bonne situation. Le relais, bien joué, Godou, il n'a pas la bonne finition. À nouveau un ballon perdu pour Mulhouse. Malheureusement, le temps mort n'a pas été concluant. Et pour l'instant, Mulhouse se cherche. Deal dans son jardin, Deal à 3 points. Super tir, c'est Quentin Deal, on sait que c'est sa spécialité, le tir à 3 points. Et là, il a pas manqué le coche. Ah, ça permet à Mulhouse de revenir, à moins 4 désormais. Armand Charles, il dégaine. Oh, c'est fort, il y a de l'adresse dans cette entame de période. Et effectivement, on vient de voir 2 tirs à 3 points consécutifs. Et bon, on dirait que les joueurs, ils se sont entraînés toute la semaine dans cette salle parce qu'ils n'ont pas eu de manque de repères. Au contraire, c'est super pour le spectacle. La faute pour Valentin Jelin qui a râlé un petit peu avec l'arbitre. Là, pour lui, il n'y avait pas faute, il y avait juste les mains où il fallait. Et remise en jeu pour Raheem May Thompson. On est sur une touche côté avec des staggers pour retrouver Thompson. Et finalement, c'est Ekani. À nouveau, un échec sur un tir à longue distance. Pour l'instant, il ne trouve pas. Ouais, mais ils mettent de la présence intérieure pour récupérer ses ballons au rebond offensif. Dommage, sur la deuxième chance, ça ne passe pas non plus. On sait que c'est leur spécialité, le rebond offensif. Et pour l'instant, ils sont présents. Malheureusement, ils n'ont pas ce brin de réussite. Malheureusement, vous avez vu, il est en pleine confiance. Il a envie de scorer très vite. Et là, il y a une belle bagarre. Il y a une belle bagarre suite à ce rebond. Et on s'est battu des deux côtés, hein. Notamment Kids Cole là, qui a joué les gratteurs de balles. Regardez, à la base, il ne l'avait pas du tout et il s'est couché avec le ballon.
C'est une finale, voilà, chaque possession va être importante des deux côtés du terrain et on sait que souvent comme un jeu basket ça se joue à une ou deux possessions près, donc voilà, il ne faut rien lâcher. On a vu une lutte pour récupérer le rebond ici. 5 minutes 47 au chrono, le temps passe si vite. J'ai l'impression d'avoir déjà vu un premier carton en entier. Valentin Jelin là, qui a voulu tenter un petit flotteur et c'est bien suivi, hein. Très très bien suivi par Lionel Gaudou qui a pris vraiment la finale par le bon pied là. Une super entame de match pour lui entre un départ en dribble et un rebond offensif, c'est vraiment complet. Parfait, Lucas Place justement qui se crée l'espace pour remettre Quentin Dill. Oh, il était stoppé, il s'en sort, Gray Bongo, l'écart pour Monsieur Thompson et c'est avec l'aide de la planche qui score. Un tir avec la planche, référencé Tim Duncan, voilà qu'on sait qu'à cet endroit-là, la planche fait souvent important de l'utiliser. On l'a vu que c'était deux points à ce moment-là. Ouais, c'est la bonne réaction là des Alsaciens après avoir été menés d'entrée. Les Alsaciens qui se reprennent dedans et ils perdent le ballon, dommage, et récupéré, bien joué. La balle bagarre et Armand Char qui se bat lui aussi. Il va se battre et il bat Thomas. Non, il n'ose pas. Oh, il peut pourtant. Un ballon perdu malheureusement pour Mulhouse. Ils sont un petit peu précipités sur le jeu de relance et ils ont été sanctionnés directement par Armand Char. On revoit cette jolie interception. Armand Char qui a choisi de finir au lay-up. Il veut assurer. Et de l'autre côté, ça a failli sanctionner là, avec Place. Encore un tir à 3 points. Ils n'ont pas leur réussite. C'est un tir ouvert pour Place. Il sait qu'il peut les mettre. Donc j'espère qu'il aura un peu de réussite un peu plus tard. Gaudou pour Rosaire Malonga là. Il reprend le ballon dans cette fin de possession, 10 secondes. Jelin qui il avait essayé de passer le ballon derrière le dos des défenseurs. Il trouve beaucoup Jelin sur des curls, ligne de fond et voilà, il utilise bien les écrans. Il y a une bonne relation avec le passeur. Il est souvent disponible et c'est très dangereux pour Mulhouse cette situation. Là ouais. il y a un changement mais en tout cas on le retrouve sur le terrain assez facilement. Valentin Jelin qui sort la plaque tournante de cette équipe. Il a laissé sa place. Il a laissé sa place à Monsieur Voldoir, Jérémy Voldoir qui était là hein, il y a 4 ans dans une défaite. C'est le dernier escapé de cette équipe de Montbrison. Charles, cette fois encore, il score. Armand Charles est en jambes. Il assure encore la finition au lay-up. Cette fois, c'était avec l'aide de la planche. Une agressivité au cercle qui a à nouveau payé pour Armand Charles. Ça fait deux fois. Oh oui, le petit N1 pour se rassurer de la part des Canis. Voilà, il a eu un manque de réussite en tir à 3 points. Là, il a changé de stratégie, il a attaqué le cercle. Ça a été une bonne option parce qu'en plus, il y a le lancer franc bonus. 4 points pour Arthur Ekani. Le plus âgé hein, de cet effectif, le plus expérimenté aussi, 31 ans. Presque 2 mètres, 1m99 pour Arthur. Qui vient de Salon de Provence. Hein. Arthur Ekani, le Camerounais. Qui vient apporter toute son expérience à cette équipe de Mulhouse Pastat. Ah, retiré, ouais. Et ouais, ça c'est des petites erreurs qui ne doivent pas se produire hein, normalement. Avec cette précipitation. Ouais. Et ça redonne un lancer franc. Parce qu'il était manqué. C'est dommage pour Montbrison là. Tir retenté par Ekani qui cette fois le met et qui valide son N1. 5 points pour Arthur Ekani dans la rencontre. Et plus 8 désormais pour Montbrison. À nouveau une situation de stagger. Voilà, on retrouve les deux joueurs extérieurs. Et à nouveau un tir ouvert à 3 points. Catch and shoot, c'est manqué. On voit qu'ils utilisent beaucoup, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, sur les stagger ligne de fond pour retrouver leurs shooters. Et si les shooters ne sont pas ouverts, ils trouvent les grands. Et Ekani, le revoici. Il avait tourné, il avait shooté. Et derrière, le N1 encore assuré. Oh, la présence intérieure qui parle avec Gray Bongo. Grosse présence et récompensée par 2 points avec le lancer franc. Ça fait 2 situations où ils ont lancé franc bonus. Et voilà, Mulhouse revient un petit peu, grappille un petit peu son retard et temps mort demandé par Montbrison. On voit que le temps mort de Monchot, au bout de 3 minutes, a porté ses fruits. On a vu qu'ils sont revenus. S'ils mettent le lancer franc, ils sont à 5 points. Donc voilà, ils reviennent progressivement au score. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut continuer à jouer leur jeu. Et puis, ils devraient pouvoir avoir des situations ouvertes. 18-12, désormais, temps mort demandé. Pendant que les spectateurs commencent à se déchaîner. Vous l'avez à l'image, Jean-Luc Monchot. On
peut aussi voir que les spectateurs de Montbrison sont un petit peu déplacés. Ils étaient en bas, en haut à droite, et maintenant ils sont juste derrière le banc. Et c'est important effectivement pour les joueurs de sentir le soutien du public. Voilà, ils sont, et de côté, hein, même pour Mulhouse, on le voit là, la marée bleue juste devant le banc. Ouais, mais on voit qu'il y a un peu plus de vert dans les tribunes que de blanc et de bleu. Et comme je l'ai dit, c'est important de sentir soutenu par ses fans, notamment dans les moments chauds, c'est important. Pendant qu'on revoit, hein, c'est le secteur intérieur qui a parlé avec beaucoup de rebonds offensifs. Là, c'est le tir avec la planche with the glass by Thompson. On voit que Montbrison procède à un changement avec l'entrée pour la première fois du match de Fressenet, un jeune joueur également de 24 ans qui joue pareil poste intérieur, poste 4-5, et qui remplace donc Quincy. Ouais, Kevin Fressenet qui a démarré à Montbrison le basket, hein. Passé par Andrézieux sous les ordres justement de Jérémy Beaufort, son entraîneur. Et là pour l'instant c'est Mulhouse sur la ligne avec Grébongo pour assurer le N1. Chose faite pour revenir tranquillement dans cette partie. Désormais à moins 5, Mulhouse passe stat. Fressenet, le voilà, la petite tête blonde, les cheveux blonds. Alors on a retrouvé un posting cette fois-ci sur un écran diagonal où on retrouve Lionel Godou. Ouais, il a écarté pour un tir contesté là. Hein. C'était difficile pour Rosier Malonga ce tir. Ouais, il a préféré renverser que plutôt jouer le 1 contre 1. Voilà, on a vu que Rosier Malonga était capable de tirer à 3 points. Voilà, Oh, regardez, ouais. Il a chippé ce ballon. Et oui, il faut se méfier de ce garçon qui fait la petite célébration de Russell Westbrook. Je ne sais pas s'il a un enfant, Rosier. En tout cas, ça fait deux fois qu'il intercepte sur Lucas Place. Oh là là. Oh là là. Grosse débauche d'énergie. Oh, il s'est pris son bébé encore là. Ouais. La célébration de Russell Westbrook. Ah, il a fait un travail énorme pour récupérer deux ballons et avoir deux paniers tout cuits. Et c'est important pour la confiance. Oh, c'est parfait pour Montbrison, ça. Si Rosier Malonga commence à être injouable et croqueur de ballon, arracheur de ballon. Regardez ses mains. Regardez ses mains. Une fois qu'elles sont sur vous, vous ne pouvez plus vous échapper. Et on a le retour de Jelin du côté de Montbrison qui remplace Armand Charles. Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que Montbrison s'est mis en défense de zone, sur une défense 2-3. On va voir ça après la remise en jeu. Lucas Place qui est sorti, entrée de Sarkis, Marvin Sarkis, et le secteur intérieur également avec l'entrée de Bakasso Minté, le joueur de 2-0-6. Avec un fort physique, et effectivement voilà, on voit que sur cette remise en jeu, Montbrison s'est mis en défense 2-3. Raheem Thompson, il a fait sauter son défenseur et il a fini proche du cercle, c'est pas payé. Un très bon choix défensif, il récupère le rebond. Jelin, ouais, il a pris l'écran, il est sorti. Proposé encore du post-op pour Montbrison et une faute offensive de Fressenet. Une faute de frustration, on va dire, parce qu'effectivement, il attendait le ballon n'est pas venu et voilà, il a voulu un petit peu dégager la défense. Mais bon, l'arbitre nous a pas raté cette action. Il a bien sanctionné l'arbitre et là, c'est Sarkis qui accélère un petit peu le jeu. Sarkis, le deuxième meneur de cette équipe. Pour Minté dans le posting. Oh, Minté. Super finition, main gauche, c'est excellent. Mais malheureusement, il a manqué de réussite. Rosier Malonga pour calmer le jeu. Il demande un système. Ouais, système épaule, on a vu qu'effectivement, il y avait un écran dans le dos. On retrouve sur une petite l'écran. Et puis de nouveau, leur système de stagger, à nouveau Jelin. Ça avait coupé, mais là, c'est Godou qui prend ce tir mid-range. Ouais, il a hésité. Voilà, on sait souvent qu'il voilà, tire et font les prendre en première intention. Et là, il a hésité. Malheureusement, c'est un tir raté. Sarkis, il vient de rentrer, il a de l'énergie. Ah, il a voulu passer par Willig. Chose faite. Ouais, il prend l'écran de Minté, c'est bien joué. Le pick and roll avec Minté est fini. Ah, il n'a pas fini, dommage, il obtient quand même la faute. Ouais, il avait terminé main gauche. Bonne passe dans le bon timing et à nouveau faute provoquée pour Mulhouse Fastat. Et on a Minté cette fois-ci au lancer franc. Joli pick and roll hein, entre les deux joueurs de Mulhouse Fastat et Bakasso Minté sur la ligne. C'est dedans pour le Nantais d'origine. Hein. Il est né à Nantes, Bakasso, troisième saison au club. Ça ressort. 1-2. Et Rosier Malonga
qui reprend le ballon en main. On est sur un pick and roll dans l'axe. Oui, il a effacé son défenseur. Roser a déposé. Et il a déposé pour qui ? Kevin Pressonnet. Très bien fait de la part du meneur Roser Malonga qui est parfait dans son match. Super agressivité à attaquer les intervalles et à trouver son coéquipier tout seul pour deux points. Quel départ pour Roser. Willig, il a préféré repasser par Sarkis qui prend un tir à trois points. Il a déclenché Sarkis, ça rebondit sur le cercle, ça peut revenir. Et bien sûr, Yaminté au bout. Évidemment, Yaminté. Comme on le disait en introduction, Mulhouse, il y a une densité physique importante dans la raquette et on l'a vu encore à ce moment-là au niveau du rebond offensif. Le plus grand. Ouais, c'est physique. Le plus grand avec cette taille, hein. 2-0-6 pour Bakasso Minté, le plus grand de cette équipe de Mulhouse. Le plus grand tout court, hein, sur le terrain. À nouveau. Malonga, voilà, qui malheureusement pour lui fait une faute, mais voilà, il impose vraiment une intensité défensive importante sur les meneurs de jeu et on sait que ça peut court-circuiter des systèmes. Changement, Roser Malonga, là, qui avait fait une très bonne entame de match après cette faute, sort. C'est le cas aussi pour Godou. Le retour pour Charles. La fin du carton avec le carton pour reposer les titulaires. Donc ça va faire environ 2-3 minutes de repos pour recommencer en pleine possession de ses moyens le deuxième carton. Et on va pouvoir aussi découvrir Miguel Montanana. Je vous en parlerai dans quelques instants. Sarkis sur la ligne, c'est réussi. Sarkis pour le 2 sur 2. Miguel Montanana qui est le plus grand sur les deux effectifs confondus. Tout à l'heure c'était bien Minté qui était le plus grand sur le terrain. Ouais. Mais là depuis qu'il y a l'Espagnol, c'est une autre histoire. 2m07 pour l'Espagnol. 2m07 pour un poste 4 et qui a une adresse à 3 points qui est intéressante. Et là on voit que Montbrison décide d'aller au bout de la possession. Il va rester 9 secondes dans ce fin de premier quart et regardez qui c'est qui intercepte. Sarkis, il avait les mains là où il fallait, la bonne interception pour ce tir de jeu là, il était culotté. Mais effectivement Sarkis qui finit bien ce premier carton et vient chipper le ballon et offre un retour pour Mulhouse face désormais à moins 4. Ouais, c'est comme la troisième interception du match dans les mains directement du meneur, la preuve qu'il y a vraiment une grosse intensité défensive et surtout sur le porteur du ballon. Bien joué de la part de Sarkis. Lui qui a signé à Mulhouse au printemps dernier. Après une année entière sans jouer. Hein. Une année entière sans jouer pour Sarkis. Ouais, mais en tout cas, on a un premier carton qui est plaisant, 24-20. On voit Mulhouse a eu des difficultés dans l'adresse extérieure, mais ils sont revenus grâce à leur agressivité au rebond. Et ils ont récupéré quelques ballons sous le cercle et aussi au lancer franc. Donc voilà, c'est un bon retour pour Mulhouse. Ouais, on vient de revoir le fadeaway de Ekani dans le trafic. Et là, c'est cette finition, tout en touché, passé en dessous le cercle. Et voilà le petit reverse validé par Gelin. Voici le petit résumé de cette première partie de match. Les deux équipes sont très bien rentrées dans ce match. Il n'y a pas d'appréhension, le verrou psychologique a sauté rapidement. Et on s'attend à une fin de match. Je pense qu'il va être. Et Roser, là, cette action était exceptionnelle. Roser Malonga pour déposer tout le monde. Cette passe décisive dans le trafic. Et Bakasso Minté aussi, il a apporté dans le secteur intérieur, dans la peinture pour Mulhouse Pastat. Retour du ballon dans les mains des Alsaciens. Le trophée Coupe de France qui réussit plutôt bien aux Alsaciens en général. Kaisersberg l'année dernière qui a perdu certes, mais qui était là en finale. Effectivement, Kaisersberg qui a participé 3 fois en finale de Coupe de France. Pas trop loin de Mulhouse. Et on verra le résultat cette année, mais c'est vrai que les clubs alsaciens se sont montrés. Demain, on a un club alsacien également Strasbourg. Avec Strasbourg, les U17 qui seront en finale contre Cholet. Ouais, joli succès hein, de ce basket alsacien. Et les voici justement, Sarkis. Il a tourné sur lui-même pour se remettre dans le sens du jeu avec Minté qui est pris à deux. La faute offensive signalée par les arbitres.
Et toujours moins 4 pour Mulhouse Fastat. Ballon dans les mains de Voldoire. Pour son capitaine Valentin Gelin. Défendu par Sarkis. Tout à l'heure, Sarkis s'est imposé en lui prenant le ballon. Armand Charles. Tiens, Montanana, justement, il a perdu ce ballon. Et Sarkis qui est de retour en interception. Il va claquer le dunk, mais ça sera juste pour la beauté du geste. Parce qu'il a touché la ligne avec un de ses pieds. Ouais, il fait preuve de beaucoup d'agressivité également. C'est le deuxième ballon qu'il est à deux doigts d'intercepter. En tout cas, les gars sont sur les lignes de passe. Et c'est très difficile pour remettre en place les systèmes avec une telle intensité. Ah, il a claqué un gros dunk pour se mettre en confiance personnellement. Et c'est bien joué, ça, pour ressortir. Voldoire. Ah, et le rebond, il a tenté de s'arracher. Kevin Fresnay. Ray Bongo, il veut jouer en 1 contre 1. Et regardez, voilà, je vous en parlais de ce pivot espagnol. 2m07 pour un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe de Montbrison. Lui qui a joué avec Pau Gasol, hein. Il est de cette génération. On voit que Montbrison est repassé en homme-à-homme sous la touche. Tout à l'heure, ils étaient en zone. Mais malheureusement, pour Mulhouse, c'est une perte de balles sur une remise en jeu qui est un petit peu stupide. Interception de Quincy Hankins-Cole. Et le retour déjà de Roser Malonga. Ah, il a eu ses 3 minutes de break. Ouais, il est inarrêtable. Ouh là, attention à ne pas perdre ce ballon. Montanana au post-up. Il est passé en dessous. Superbe. Super spin, voilà, move. La qualité espagnole. Ouais, super spin move, ligne de fond. Il a utilisé l'avant-bras de son défenseur pour prendre de la vitesse et avoir un panier sous le cercle quasiment tout seul. Ah, c'est top pour celui qui a eu un petit peu de pépin physique tout au long de la saison. Là, le voir comme ça du côté de la Corotel Arena, ça fait plaisir. Attention. Ouais. On voit un ballon gagné, le joueur espagnol. Ray Thompson. Voilà, qui est bien placé au bon moment, au bon endroit et qui provoque un passage en force. Allez, on revoit cette action de May Thompson. Il était légèrement en mouvement, je trouve, quand même, Montanana, sur cette action. Ouais. Et si on peut voir les stats, au bout d'un quart-temps et de 1 minute 30, c'est la première faute d'un Mulhousien. On n'avait pas fait attention, c'est vrai. Mais c'est la première faute d'un Mulhousien. Entre 6 fautes du côté de Montbrison, avec déjà 2 joueurs avec 2 fautes. Ouais, plutôt propre les Alsaciens en cette entame de match. Armand Charles, il a catch and shooté. Superbe. Ouais, un joueur avec une forte expérience de niveau au-dessus. Et on a vu qu'effectivement, voilà, pour lui à cet endroit-là, c'était aucun difficulté pour marquer les deux. Ouais, il a trouvé la filoche, Armand Charles. Et derrière, c'est Kani qui va essayer de lui répondre dans le secteur intérieur. Le petit hook shot, c'est parfait. Excellente finition main gauche. Et Kani, on voit qu'il peut jouer face au cercle, dos au cercle. Comme on l'a dit, c'est un joueur très complet. Le duel entre Sarkis. Et à nouveau, là, il s'est enfermé là. Gelin. Des écrans sortants, cette fois-ci plutôt sur un losange pour retrouver leur shooter Gelin. Et on voit qu'ils s'appuient beaucoup là-dessus, plutôt sur leur domaine extérieur. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans le deuxième quart-temps de cette finale du Trophée Coupe de France en direct et en intégralité sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket. 28-22, c'est le score à 7 minutes 41 de la mi-temps. Avantage Montbrison avec Armand Charles encore. Il a envie de dégainer ce soir. C'est un cowboy. Exactement le même tir, cette fois-ci plutôt à 0 degré. Avant, il était en tête de raquette. Voilà, 2 points dans ce secteur. C'est des tirs très difficiles. Et lui, pour lui, ça pose aucun problème. Encore un ballon chippé, heureusement, sans danger pour Mulhouse qui a récupéré ce ballon. Il va rester 10 secondes sur la possession. Sarkis face à Gelin. Sarkis, le petit cross, le step back de Sarkis. Il est en train de régaler là. Magnifique step back en sortie de crossover. Ouais, il a fait bégayer son défenseur. Beau gros shoot de Sarkis qui continue à mettre l'intensité défensive. Oh, superbe. Roser aussi, lui, dans ses élans. Alors voilà Sarkis, il vient de réussir un tir à 3 points important pour Mulhouse pour recoller à moins 5. Il va servir à l'intérieur, Ray Bongo face à Montanana, il y a de la présence intérieure, c'est difficile de passer. Ah, c'est un joueur qui... Alors voici Sarkis à 3 points encore, il est en pleine confiance, 2 sur 2 à 3 points. Cash, money. Mulhouse est revenu à 2 points grâce à ce double tir à 3 points de Sarkis.
qui malheureusement fait une faute juste derrière et c'est sa première faute. Oh, Sarkis là il fait du bien après son interception juste avant le deuxième carton et là c'est deux tirs à trois points. Ouais. C'est clairement l'homme en forme là en ce moment. Sarkis est à 8 points en 4 minutes. C'est énorme. Superbe entrée de sa part. Et il remplace parfaitement Place. Regarde ce step back, regarde-le. Ouais. Extraordinaire. Nothing but the net et on le retrouve dans le corner derrière. Parfait pour les Alsaciens. Et une faute offensive. Ballon rendu pour les hommes de Jérémy Beaufort. Pardon, les hommes de Jean-Luc Monchaud. Mulhouse. Fachtat avec Sarkis à la baguette. Ah, il est chaud Sarkis. Bay Thompson au poste, Grebongo. Face à Montanana, il arrive à progresser, c'est fort. Ouais, à nouveau, excellente défense de Montanana, qui ne saute pas sur les feintes, qui est solide au sol avec ses 2m07. Voilà. Il se laisse presque embarquer, mais pour mieux contrer, mieux défendre. On voit que c'est un joueur d'expérience, il est très solide au sol, il a les bras en l'air et voilà, il récupère le ballon grâce à sa bonne défense. Rosaire Malonga. Oh là, l'écran pas signalé. Eh si, il va être donné en faveur faute offensive apparemment. Ouais, et il a pris un sacré coup là, Sarkis. Ouais. Il est à terre, il n'arrive plus à se relever. Ils ont pris une béquille tous les jeux avec Gélin, genou contre genou très certainement. Alors on va revoir cette situation, c'était Rosaire Malonga qui était passé, ouais, et c'est... Non, c'est avec qui il a percuté le genou là. J'ai pas eu le temps de revoir, c'est pas grave. Ouais. D'ailleurs Gélin doit sortir après ce coup et on a le retour de Jérémy Voldoir. Ouais. Jérémy Voldoir, le numéro 9 de BCM au Brison. Lucas Place qui fait son retour sur le terrain à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Ouais, on voit que Rosaire Malonga ne défend pas sur Place cette fois-ci. Et Cani. Le jeu 1 contre 1 des Cani. Oh là là, il s'était faufilé, il avait fait le plus dur. Ouais, manque de réussite là pour Cani. May Thompson, évidemment, qui va le prendre. Ça ressort, rebond pour Montbrison, mais ballon perdu par la suite. Ça s'impose encore dans le trafic. Encore une fois, c'est un N1. Encore une fois, pour Grebongo. C'est le troisième N1 des Mulhousiens qui ont l'opportunité de passer devant pour la première fois du match avec une grosse débauche d'énergie. Ouais, ils font la différence clairement dans ce secteur, hein. Dans la peinture, Mulhouse. Ouais, on voit que pour l'instant, Mulhouse gagne la bataille du rebond. Et c'est récompensé par ce retour au score. Est-ce qu'il va pouvoir valider le N1? Chose faite tout à l'heure, c'est oui. C'est encore oui. Deuxième N1 validé pour Grebongo. Voilà. On a à nouveau droit à un match super, super serré. Avec deux équipes qui sont revenues quasiment à égalité, donc plus un pour Mulhouse Pastat. Ouais, le score qui s'est resserré, ça fait plaisir pour le suspense. Rosaire Malonga pour servir l'Espagnol. Montanana, il a redonné à Godou. Il les aime bien ses tirs, cette fois c'est manqué. May Thompson, rebond autoritaire, il va le jouer. Il est entre trois joueurs de Montbrison. Et regardez comment il monte haut. Voilà. Il monte haut l'anglais. Ouais, il monte très haut. A clairement changé de côté. Mulhouse Pastat est dans une excellente dynamique, il défend très fort et derrière ils ont des paniers sous contre-attaque. Et du coup, il mène au score de 3 points. Ouais, le momentum qui s'est inversé, clairement. Godou pour réagir, c'est bien fait. Super relation entre les deux intérieurs de Montbrison. Ah, il est monté pour se rassurer là, sur la planche. Lucas Place, face à Malonga. Ouais, il a servi dans le jeu intérieur encore et une faute obtenue. La faute donnée par l'Espagnol. Il n'a pas les bras le long du corps cette fois-ci, il les a plutôt vers le cylindre du défenseur et il provoque malheureusement une faute sur une situation où on a vu un double écran dans le dos pour libérer. Alors qu'on revoit, cette action de May Thompson, puis cette réponse pour le BCM. Grebongo de retour sur la ligne des lancers. Le premier validé pour Johan Grebongo, 25 ans, le centrafricain. Deux sur deux, il est impeccable sur la ligne des lancers. Hop,
Jacob Montanana sort pour sa deuxième faute. Et c'est le retour de Fraissenet qui a également deux fautes. On voit que les intérieurs de Montbrison sont un petit peu pénalisés par les fautes. Mulhouse qui a repris la tête au scoring, vous l'avez compris. Voldoir. Il va essayer de passer, c'est bien redonné pour Armand Charles. Il obtient la faute sur ce tir à 3 points. Il est validé, je pense, ce tir. Ouais. Cette faute à 3 points. Ouais, ouais, 3 lancers francs pour Armand Charles. À nouveau, des écrans en ligne de fond. Ils ont pu libérer leur shooter. Bon, le match est serré. Le match est serré. Opportunité pour Armand Charles, vous l'avez compris, avec ses 3 lancers, de recoller au score. Objectif, les 35 points pour Montbrison sur ces 3 lancers. Aïe, il a tremblé sur le premier. Il en a encore 2 pour revenir à moins 1, pourquoi pas. Important pas de pas laisser des points sur la route, parce que chaque point va être important sur ce match. Il a ajusté la mire, le deuxième est bon. Pour le Mulhouse Pastat qui a envie de jouer sur Ekani. Encore une fois lui pour remettre à l'extérieur face à lui, face à Kevin. Fraissenet prend ce tir difficile. Ah, c'est un tir qui n'était pas en rythme. Et derrière c'est un tir forcé, malheureusement c'est un airball pour les Mulhousiens. Armand Charles, Voldoir, ouais, il est passé derrière l'écran. Il a proposé un jeu en pick and roll. C'est finalement Armand Charles qui tente un tir avec la planche. Il avait bien suivi Voldoir. Et il est contré. Ouais. Malheureusement, il a manqué un petit peu de force dans son rebond offensif. Mais en tout cas, il était placé au bon moment. Il a bien suivi le tir extérieur. Et heureusement pour Montbrison, il récupère le ballon sur une touche côté. Possession pour Montbrison. Avec la sortie d'Armand Charles et le retour de Gélin, Valentin Gélin, capitaine de cette équipe. Cette petite ville de Montbrison, 15 000 habitants, à 35 km de Saint-Etienne, qui fait parler clairement ses qualités de basket. Et là, bien joué, c'est le capitaine justement. Super exécution d'un système, on a vu Valentin Gélin faire la remise en jeu, bénéficier des écrans lignes de fond et on l'a retrouvé à l'opposé tout seul sur un tir ouvert. Attention, il était à deux doigts de perdre ce ballon. Place, c'est fait, c'est chose faite. Il a un duel à faire avec Roser Malonga. Le N1 converti. Il est validé ce N1. Ouais. Oh là là. Malonga qui prend clairement l'ascendant là sur place, qui cède sa place pour l'instant. Il est pas bien rentré dans son match. Hein. Très bien dit. Ouais. Ouais, c'est pas évident parce que là, Roser Malonga, il livre un combat de tous les instants. Hein. Clairement, il n'avait pas peur du tout de monter sur ce pauvre Lucas Place qui, pour le coup, je vais dessus sur les jeux de mots, est resté en place. Tu peux me dire que c'est pas terrible, hein. Dis-le moi, Patrice. J'aime bien. Sois franc avec moi. Non, j'aime bien Tony. Rebond de Godou qui, dans un premier temps, avait perdu cette balle, mais qui va lui être rendu. À nouveau, des joueurs qui n'hésitent pas à mettre les fesses au sol pour récupérer les possessions qui sont importantes. Valentin Gélin qui sort d'un 3 points est en mort demandé. Temps mort demandé par Jean-Luc Monchaud. Et du coup, avec cette interception, on a vu que Montbrison est repassé devant. Voilà, on voit que c'est un chassé-croisé sur ce deuxième carton. Et le spectacle est vraiment garanti. Je pense que tout le monde doit prendre son plaisir. Ah, on est comme un petit peu l'année dernière, on n'est pas du tout sur notre fin, on assiste à un très beau spectacle comme l'année dernière entre Kaysersberg et Toulouse qui nous avaient livré une sacrée bataille, hein, ces deux équipes-là, une victoire en prolongation. Est-ce qu'on va encore vivre ça ce soir, un an après la victoire, je le disais, de Toulouse, des Toulousains qui s'étaient imposés ici même à l'Accor Hotel Arena en 2018, qui de Montbrison ou de Mulhouse Pastat lui succédera. On voit que c'est vraiment indécis pour le moment et je pense que ça va se jouer sur des détails. Voilà, l'adresse au lancer franc, le rebond, le contrôle du rebond offensif. Voilà, ça va être, je pense, très important dans le score final. Voilà,
on voit aussi que pour l'instant le meilleur marqueur du match est Armand Chal avec ses 12 points. Et du côté de Mulhouse, le meilleur marqueur est Sarkis et Gramongo, tous les deux avec 8 points. Ouais, très léger avantage pour l'instant à Montbrison, plus 3. Malonga. Pressionnet, on est entre deux joueurs. Pressionnet qui ressort, il était dans le corner, il prend un tir difficile en step back. Ouais, Valentin Gelin. Un 0 degré avec une bonne défense de Milling. Lucas Place, le gaucher, il a voulu se faire plaisir et regardez qui c'est qui a tenté de prendre ce rebond et remettre cette balle dans le cercle. C'est Kani, manque de réussite, dommage mais ça revient. Lucas Place. Good deal. Voilà. Très très good deal. Deuxième tir à 3 points pour Quentin Deal qui a été parfaitement trouvé par Place. Parfait pour recoller à 38 partout. Ce tir de Quentin Deal. On retrouve une situation sur un écran diagonal pour retrouver dans le posting. Oh, pour lui répondre, oh, ça aurait été fort ça pour Voldoir. Ça fait deux fois que Godou décide de ressortir le ballon sur un tir à 3 points qui est malheureusement. Oh Deal, il n'hésite pas. Mulhouse qui récupère ce ballon, après tient un tir à 3 points, bataille au rebond. 2 minutes encore à jouer dans cette fin de deuxième carton. Les supporters de Montbrison du bruit maintenant. Et avec le retour de Otis Cole. Pendant qu'on voit ce gros tir de la part de Good Deal, effectivement la barbe verte qui est de retour. Et on voit de nouveau une défense de 3. Défense zone 3 de la part de Montbrison sur cette remise en jeu de ligne de fond. Willig, évidemment, qui va le prendre ce tir. Willig, oh le rebond, il était pas loin. Il était pas loin. Gramongo était bien placé, malheureusement, il n'a pas pu contrôler ce rebond. Valentin Gelin, il se faufile. Il a servi dans le trafic. Il y a du monde au milieu. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce tir, Quincy Hawkins Cole? Il a réussi, mais impossible de la mettre. Hein, quelle intensité dans la raquette des deux côtés. C'est une forêt de bras. Ouais, c'est impressionnant. Il y a de l'intensité de part et d'autre. Et une interception pour Montbrison. Gelin, évidemment, pour Voldoir. Oh, il aurait pu le prendre, Voldoir. Il a préféré remettre à Roser Malonga qui fait patienter le chrono. 14 secondes. Roser, le crossover de Roser. Il finit main gauche. Et le rebond offensif, la présence, quel dommage. Oh, il ne peut pas convertir ça. Réussite, ouais. Gros rebond de Lionel Godou. Et malheureusement, sa main gauche manquait un petit peu de force. Personne ne veut passer devant, j'ai l'impression. 38 partout. Et le marché pour Arthur Mécanique. Ouais. Un temps mort de la part de Montbrison qui prend son dernier temps mort. Il reste 1 minute 04 et on est toujours à égalité. 38. Et ouais, qui va passer devant avant la mi-temps? Difficile de le dire. Ouais. Difficile. On salue également les fournisseurs officiels de la Fédération française de basketball, la française du jeu, les bonnes scènes. On voit que Montbrison a aussi la capacité de faire encore une faute d'équipe alors que Mulhouse est déjà dans la pénalité. Donc, toutes les fautes vont de lancer franc. Montbrison sur la prochaine défense aura encore l'opportunité de faire une faute tactique. Et on va voir tout de suite quelle va être l'option proposée par Montbrison. Un petit coup d'œil peut-être sur le parcours des deux équipes dans cette Coupe de France, à commencer par Montbrison qui avait éliminé le CTC de Lyon en quart de finale, puis Golf jouant Valoris, et puis de l'autre côté Mulhouse qui a sorti Dax Gamard en quart de finale, puis les Spartiates de Sergi Pontoise, gros morceau en demi-finale. Voilà, ils ont assuré les patrons de cette M National 2, hein, Mulhouse Fastat, je le disais tout à l'heure, le meilleur bilan de toute la saison, avec seulement 2 défaites. Exactement, 24 victoires pour 2 défaites, grosse saison de la part des hommes à Monchot. Qui de Montbrison ou de Mulhouse rentrera au vestiaire avec un avantage au score? Pour l'instant, c'est Montbrison avec le ballon dans les mains de Voldoir. Godou, oh, c'est bien joué, il était passé dans le dos de la défense. Astucieusement, Gelin. Pression défensive pour couper le retour de passe et Gelin a décidé de partir en backdoor, faut logiquement, mais malheureusement la passe a été mal assurée. Place.
Ouais, il tourne. Petit spin move avec Deal. Bien joué, il est passé au milieu de tout le monde. Et le bon rebond. Oh, il est autoritaire ce rebond offensif des Cadi. Ah, il y a un contrôle, un boxeur, un écran retard qui a été oublié. Et actuellement, les joueurs de Mulhousiens récupèrent un nombre important de rebonds offensifs. Ouais, ça se passe par là hein, pour les joueurs de Mulhouse, par le jeu intérieur. Ça se place parfaitement. Une faute commise. Ouais, faute commise, donc quatrième faute d'équipe. Donc lancer franc pour Godou. Godou les lancer alors qu'on s'approche de la mi-temps. On aura une dernière possession pour Mulhouse. Montbrison a l'opportunité de faire une faute tactique. Faute avant abandonner le lancer franc. Pour essayer de revenir au score. Ouais. 39-40. Ouais, Godou qui est parfaitement dans son match. On voit qu'il est présent des deux côtés du terrain. On a vu qu'il pouvait tirer en tête de raquette. On a vu qu'il était solide au rebond, dans le posting. Et là, il va... Ah, le 2-2 pour recoller. Mulhouse, Fastad va-t-il être capable de passer devant alors qu'il reste 15 secondes dans cette première mi-temps. Voilà, place. Si on a vu que Minté a posé un écran pour 9 secondes pour place. Il va falloir trouver une solution. Ouais, Yaminté peut-être, attention à l'interception, attention Voldoir, il faut prendre ce tir, Voldoir de très très loin, on en restera là, 40-40, écoute Patrice, on vit une première période parfaite, une première mi-temps incroyable, 40 partout, du suspense à volonté là. Tout à fait d'accord avec toi Lucas, vraiment une première mi-temps excellente des deux côtés du terrain, on voit que Montbrison est bien rentré dans son match. Et Mulhouse sans s'affoler, avec une grosse présence au niveau du rebond offensif et est revenu progressivement dans ce match. Qui est pour toi l'homme de cette première période? Du côté de Montbrison, je dirais plutôt Armand Charles qui a eu des bons tirs et qui a été présent des deux côtés du terrain. Mais du côté de Mulhouse, j'ai bien aimé l'activité au niveau du rebond offensif de Grimongo, Decani, de Minté qui sont vraiment très présents sur ce rebond offensif. Avec Armand Charles, Armand, j'ai l'impression que tu es en pleine confiance. À chaque fois que tu as un tir, tu le prends, tu es déjà à 12 points. Comment ça se passe cette finale? C'est une finale. Donc faut être présent, faut répondre présent, c'est tout ce qu'il y a. Je prends les choses comme elles viennent. J'attends que le jeu vienne à moi, j'essaie de jouer le plus simplement possible. Et pour le moment, ça fonctionne. C'est surtout collectivement, on a des baisses de régime, c'est sans ça pour le problème. Donc il va falloir remédier à ça pour la suite. Il y a 40 partout là, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième, justement collectivement? Déjà contrôler le rebond offensif, parce qu'ils en prennent beaucoup. Essentiellement Ekani. Notamment donne des points faciles sur lancer franc, des 2 plus 1. Si on enlève tout ça, normalement il n'y aura pas de soucis après pour la suite. On se retrouve en deuxième? Il n'y a pas de problème. Ouais, bonne analyse de Armand Charles, comme je l'ai dit, effectivement il faut contrôler ce rebond offensif. Et lui fait preuve de métier. On sait que c'est un joueur qui a une forte expérience. Et je pense que Montbrison qu'on va compter en deuxième mi-temps sur son adresse et sur son expérience. Patrice, 40 partout. Difficile de savoir si Montbrison où Mulhouse va s'imposer. C'est difficile. On a vécu l'an passé, hein, je le rappelais, en finale de ce trophée Coupe de France masculin, une victoire de Toulouse à l'arrache en prolongation. On est peut-être en train de revivre ça cette année. Qu'est-ce que tu en penses là? Je pense que on serait plusieurs à être contents d'avoir un dénouement comme ça. Peut-être pas les cardiaques, mais en tout cas, nous, on prend notre pied et je pense que les spectateurs qui sont dans cette salle également. Un petit favori là? Ouais, un petit avantage pour Mulhouse. De ce que tu as vu sur l'ensemble. Ouais, je pense que Mulhouse a fait une excellente saison, voilà, avec 24 victoires et 2 défaites, peut-être un peu plus d'expérience sur les matchs à enjeu. Peut-être petit avantage pour Mulhouse pour cette deuxième mi-temps. Tout est à suivre ce soir, évidemment en intégralité sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket. Demain aussi également du suspense pour cette deuxième période entre donc Montbrison et Mulhouse Pastat.
En est-il, Margot ? Je vois mais commenter sa boîte sans refuser. Il faut surtout avoir des enfants. En est-il, Margot ? Et comment tu fais avec tes enfants ? C'est ici chez ton premier ami. En est-il, Margot ? Le business plan, vous l'avez fait toute seule, comme grand. En est-il, Margot, qu'une fois l'entrepreneur est un entrepreneur comme les autres. Le trophée masculin, début de deuxième tournoi, avec 7 minutes maintenant, 40 partout. Entre l'équipe de Montbrison et l'équipe de Mulhouse, on vous rappelle que pour cette édition 2019 des Coupes de France, dispositif spécial à pour voir l'événement de l'intérieur, sur les comptes Snapchat et Instagram de la FFBB, la plongée au cœur de l'expérience Coupe de France pour ce week-end, et aussi sur Facebook et sur Twitter, un seul hashtag à utiliser pour vivre l'expérience de l'intérieur et pour vous envoyer vos plus beaux selfies ou plus belles vidéos, hashtag CDF Basket. Finale de la Coupe de France du basket 2019, première journée avec la finale du trophée masculin. Montbrison Mulhouse, 40 partout. Début des deuxième mi-temps en 6 minutes et 55 secondes. Oh,
joueurs de Mulhouse sur le parquet de la cour d'Hôtel Paris-Bercy pour la suite de la deuxième mi-temps, la reprise avec la deuxième mi-temps. Vos encouragements pour Mulhouse, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Et retour également des joueurs du PC Montbrison, du bruit pour Montbrison, s'il vous plaît. Hôtel Arena, toujours avec Patrice. Tu passes un bon moment, j'ai l'impression là. On se régale. Effectivement, ouais, c'est un super spectacle dans une super salle et je pense que tout le monde prend son pied. J'espère que tout le monde aussi qui nous regarde en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket prend autant de plaisir que nous à suivre ces deux équipes qui offrent vraiment un super spectacle. 40 partout et vraiment du scoring, du jeu, de la défense, de l'intensité. On a tout là. Ouais, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui réunit l'intensité des deux côtés du terrain. Un petit peu de manque d'adresse sur les tirs à 3 points, mais je pense que ça va revenir en deuxième mi-temps. Et on va revoir voilà, quelques actions. Hein. Si vous avez manqué ça en première période, eh ben, écoutez, tout ce qui vous attend ensuite va vous faire plaisir. On revoit voilà, pour moi l'homme de cette première période, notamment côté Montbrison, Armand Charles. Et puis dans le secteur intérieur, ça s'était aussi imposé avec Odou. Voilà, tous ces joueurs ont scoré. On attend du grand spectacle en deuxième avec, pourquoi pas, un petit écart juste en sortie de première mi-temps. On y va. Voilà, par rapport au stats, effectivement, j'ai dit qu'on manquait un petit peu d'adresse. On est à 25% du côté de Montbrison et à 28% pour Mulhouse à 3 points. Et la bataille du rebond offensif est clairement du côté de Mulhouse. 25 rebonds à 18, dont 9 rebonds offensifs déjà pour Mulhouse. Et on voit qu'effectivement, ils sont revenus au score grâce à leur intensité défensive. Allez, les joueurs qui sont un petit peu patientés sur le retour. Ça y est, les joueurs du BCM sont là. On attend ceux de Mulhouse, Pastat. On imagine que Jean-Luc Monchot
à recadrer un petit peu tout ça avant de débuter. Et autre stat importante à mes yeux, c'est déjà les 13 pertes de balles pour Mulhouse, dont 6 pour Lucas Place. C'est un petit peu beaucoup, donc j'espère pour Mulhouse que Lucas va faire un petit peu moins de mauvais choix. Il a été dominé un petit peu par son adversaire du soir, Rosier Malonga. Ouais, Rosier qui a pris l'ascendant psychologique sur Lucas. Mais voilà, on est à 0-0 sur cette deuxième mi-temps et les comptes sont de nouveau à égalité. Évidemment, les comptes sont remis à zéro avec Ekani. Il a envie de se faire plaisir d'entrer. Arthur Ekani, c'est manqué. Et voici Rosier Malonga. Malonga pour Quincy Hawkins Cole qui manque la finition. Main gauche. Ouais, c'est parti très vite avec Deal pour Place. Ça finit en airball. Et ça va terminer, je pense, cette fois. Ouais, il y a une grosse défense des deux côtés. On ne veut pas laisser une équipe passer devant. Ça va très vite des deux côtés là. On est sur un match de tennis. On n'a pas le temps de s'installer en attaque. Déjà, il y a un tir ou une paire de balles. May Thompson. Ah, il a hésité avant de revenir sur ses talons avec Deal. Attention, il reste 5 secondes. 4 secondes pour Deal. Il est bien défendu par Hawkins Cole. Il tente un tir incroyable. Un tir drop de l'extrême pour Mr. Goodill. En plus, avec sa main gauche. Sur une jambe. Oh ouais, incroyable comme tir, incroyable. Oh, j'ai hâte de le revoir au ralenti. Pour l'instant, c'est Quincy Hawkins Cole qui est là avec Rosier Malonga pour réagir après un tir pareil. Il faut proposer quelque chose. Oh là là, ça cherchait le relais avec la barbe verte du soir. Ouais, sur un nouveau un curl. Un système que Montbrison affectionne. Et regarde ça, on le revoit, ce moment un petit peu chaud. Il y avait le buzzer qui arrivait et Mr. Goodill qui, sur une jambe, tente un tir qui est parti tout en haut de la Corotel Arena. Bien joué ça pour réagir. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Godou est là, il le confirme après une très bonne première période. Ouais, sur un tir après une touche ligne de fond où on le trouve sur un tir crochet main droite. Ah, il a levé les bras au bon moment, je pense qu'il va obtenir les lancers. Ouais, on sent le métier de Thompson, il a senti le coup de sifflet arriver et au moment où le coup de sifflet arrive, il lâche le ballon parce que je suis pas sûr qu'il allait au début d'action faire un tir. Voici l'anglais né à Londres, hein. Il a grandi à Liverpool où il a commencé le basket à 13 ans. Il a joué notamment en première division anglaise. Raheem May Thompson du côté des Lions de Londres. Ouais, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer sur le poste 4, sur le poste 3. Moi qui a un physique plutôt généreux et il s'en sert parfaitement. Ouais, fils de l'illustre Léo Thompson, ancien basketteur de haut niveau. Il avait remporté les Jeux du Commonwealth avec l'Angleterre. Voilà, petite médaille d'or, c'est un fiston. Magnifique petite information. Mais ouais, voilà, on voit que t'as bossé. On bosse le match. Ouais. Et l'anglais qui va essayer justement, tiens, May Thompson, de proposer une solution pour ressortir cette balle proprement. Deal. Quentin Deal. Bien défendu sous cette touche fond de la part de Montbrison parce qu'on voulait trouver Quentin Deal sur un tir. J'ai l'impression qu'il attend encore la fin du chrono pour nous sortir un tir un peu fou là. Quentin Deal, il est derrière limite grosse défense. La planche, grosse c'était difficile défense, là. Montbrison qui récupère le ballon pour pouvoir enchaîner sur une transition. Rosier Malonga qui a préféré fixer et donner. Il est pris à deux, attention, Quincy Hawkins Cole, lui il est pris à trois. C'est difficile là, c'est difficile ce que tente Montbrison. Il y avait peut-être mieux à faire là. En tout cas, on repart sur les mêmes chapeaux de roue que cette première mi-temps. Les deux équipes sont très généreux dans les efforts et pour le moment, sur ce début de deuxième mi-temps, la défense prend le pas sur l'attaque. 43-42 pour Mulhouse Fastat. Le suspense est entier dans cette entame. Deuxième période, on est dans le troisième quart-temps pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct pour vous commenter cette finale du Trophée Coupe de France. Lucas Place. Lucas Place, ouais, il est sorti derrière l'écran. Il avait Arthur et Cagny encore derrière, mais c'est plutôt Deal qui va prendre ce tir et une nouvelle possession parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Montbrison au rebond. May Thompson, oh, il les aime pourtant ces tirs. Ouais, il s'en est voulu là. C'était un tir ouvert, malheureusement raté. Et Montbrison récupère le ballon sur le nouveau derrière. C'est un pick and roll dans l'axe central avec un pick the picker. Oh, superbe, voilà. On l'attendait. Magnifique. Évidemment, il est capable de sacré jump. La barbe verte. Hawkins Cole qui est monté très haut pour récupérer ce ballon dans les airs et claquer ça en alley-oop. On adore. Super écran dans le dos de Godou pour libérer son coéquipier qui a récupéré une super passe. Oh, ça y est. Le spectacle est lancé.
Prenez le pop-corn et installez-vous. J'ai hâte de voir le ralenti là parce que oui. À la hauteur où il a cherché le ballon, ça doit être impressionnant. Et puis la fixation, il a bien attendu que la défense soit en galère pour déposer pendant qu'on voit ce passage des Cani, cette faute. On va revoir le ralenti juste après. Là, il y a une nouvelle possession. Nouvelle possession pour Roser Malonga. Ouais, le bon écran. Jelin. Ouais, c'est bien ressorti. Il était en tête de raquette, attention, et Cani, il l'a laissé shooter. Ouais, un petit peu court, ouais. Un petit peu court son tir. Évidemment, on l'a déjà vu, hein, cette action, ce gros dunk, cet alley-oop de Quincy Hankins Cole. J'ai hâte de la revoir. Hein. On l'a passé tout à l'heure. J'ai hâte de la revoir encore une fois pour le régal. Et là, cette balle qui va être rendue. On va le revoir, tiens, on va en profiter là. On s'en lasse pas, on s'en lasse évidemment pas. Il s'appuie sur ce petit jeu. Il a un écran dans le dos et bien joué. Une super passe de Malonga pour offrir deux points faciles. Ouais. Super passe. Il avait pris l'écran. Quincy Hankins Cole. Il s'est très vite retourné pour finir proche du cercle, là où il se sent le plus à l'aise, c'est-à-dire dans les airs. Roser, Malonga justement. Ouais, il hésite pas Roser. À plusieurs situations, on voit Montbrison tenter le pick and roll dans l'axe central. Et Malonga est arrivé à trouver un tir, malheureusement, il n'a pas eu la réussite qu'il fallait. Et Sarkis a fait son entrée en jeu. Le meilleur pote hein, de Gershon Yabusele, le joueur des Celtics, qui est d'ailleurs dans la salle. Hein. Gershon Yabusele, ouais. Éliminé avec les Celtics en NBA. Il y a quelques jours là. Ouais, super sympa, il est venu voir son copain et voilà, c'est comme quoi le basket national 2 intéresse aussi des joueurs NBA quoi. Il l'avait hébergé hein, Sarkis pendant qu'il était un petit peu dans le doute là. Il a été hébergé par Gershon Yabusele à Boston. Et là on voit que Mulhouse Fastat reprend un petit peu le match en main là avec ce jeu à l'intérieur. 45-44, un point d'écart, Armand Charles, oh, il a voulu dégainer, il a préféré revenir sur Roser qui prend l'écran. Il est appuyé cet écran de Quincy Hankins Cole et derrière Roser qui finit proche du cercle et il demande la faute, c'est fait. Une bonne collaboration offensive entre ces deux joueurs qui se trouvent souvent sur un pick and roll et à nouveau un pick bien posé, bien utilisé et Malonga, provoque de lancer franc. À suivre Roser Malonga. D'ailleurs, j'ai eu quelques bruits de couloir sur le garçon. Roser Malonga, apparemment, devrait signer à Kaisersberg. Ah bon? Ah bon? Bah écoute, si effectivement, c'est une c'est très une bonne info. Pioche. Ouais, une très bonne pioche pour Kaisersberg qui a fait une bonne première saison pour sa première saison en National 1 qui se maintient. Et voilà. Bah écoute, hein, tant mieux pour eux. Bah, il va retrouver des Mulhousiens dans le même secteur l'année prochaine. Et ouais, il pourrait. Prochainement rejoindre l'Alsace, celui que vous avez sur la ligne des lancers, Roser Malonga. Pour l'instant, il est bien à Montbrison pour disputer cette finale sous les ordres de Jérémy Beaufort. Une équipe de Montbrison qui a terminé à la 4e place de sa poule. Voilà, ils ont eu quelques difficultés en début de saison et ils sont bien remis. Ils sont à la Corotel Arena pour aller chercher un titre. 45 partout après ce lancer manqué. Ouais, Montbrison qui laisse trop de points au lancer franc. Ça fait beaucoup là. Hein. Ouais, ils sont à 3 sur 6 en première mi-temps. Là, il a été également raté. Donc, bon, heureusement qu'il récupère le rebond offensif. Alors voilà, oh là là, il a crossé Sarkis. Oh là là, il a voulu renourrir Quincy Hankins Cole qui était pour le coup. Il manquait un peu d'appétit là à l'intérieur. Magnifique, il a fait sauter son défenseur Quentin Deal et le ballon gratté. Et Cani. Grosse présence à nouveau de Mulhouse au rebond. Ouais. Ils suivent tous les tirs. Tous les tirs ils sont dessus, ils sont présents à deux, voire à trois joueurs. Sarkis, il est passé cette fois à droite. Il a hésité. Il a Quincy Hankins Cole qui l'a déposé. Superbe. Ouais. Sarkis est bien revenu. Il a pris un coup de genou en première mi-temps. Il est revenu et directement il est efficace. Comme on s'en marquait son 10e point déjà. Ouais, le grand frère de Malcolm Casalon. Hein. Sarkis, attention à cette faute. On demandait un marché.
Ouais, Sarkis qui est bouche bée là. Il n'arrive pas à s'en remettre pour lui. Il n'y avait pas à négliger là-dessus. Et c'est une faute qui sera donnée à Montbrison. Et en la personne de Godou. Donc Sarkis n'était pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Mais l'arbitre, je pense qu'il a fait le bon choix en donnant deux lancers francs à Godou. Ah, à nouveau un lancer franc raté de la part de Montbrison, hein, ça. Ça fait beaucoup quand c'est, même. Ouais, c'est des points précieux les lancers francs, comme je le disais, hein, l'adresse au lancer franc et le rebond offensif vont être pour moi les clés du match. Lionel Godou, l'ancien joueur du Puy-en-Velay, qui manque encore ce lancer et s'est récupéré par Mulhouse. Attention à cette faute de Roser Malonga, on était dans la continuité. Ouais, c'est de cette deuxième, course. Deuxième faute pour Roser. Il a voulu stopper cette course. Il était lancé. Hein. On revoit. Alors qu'on revoit magnifique ce petit tir plein de touchés de la part de Sarkis. Regardez. Il dépose deux joueurs. Il fait sauter Quincy Hawkins Cole et derrière il score. Magnifique, on le retrouve. Sarkis. Ouais, ça demandait la balle de la part de Mike Thompson. C'est finalement Ekani. Il va se projeter. Ekani l'a drivé. Est-ce qu'il a. Ouais, c'est accepté dans la continuité de l'action. Magnifique. N1 validé. La faute sifflée un poil avant. Mais c'est validé par les arbitres. 49-45, opportunité de valider ce N1. On voit ça. Ouais, il a voulu lui arracher le ballon dans les mains, Quincy Hawkins Cole, mais il a tout embarqué là. Ouais. Et malheureusement, c'est sa troisième faute. Et il a son importance en plus hein, dans cette équipe de Montbrison, Quincy. Ouais. Ah ouais, c'est sa troisième faute. Troisième faute pour l'Américain qui est au rebond là. Allez, Roser Malonga. Système annoncé. Système annoncé. On passe par Quincy Hawkins Cole pour trouver Charles. À nouveau ce pic diagonal. Ouais. Effectivement, ils enchaînent un main à main, pic diagonal pour retrouver un posting favorable. Mais bon, on a eu une bonne défense de Cali. L'entrée de Jérémy Voldoire, lui qui était là hein, lors de la défaite en finale de Montbrison il y a 4 ans. Bon, il n'avait pas beaucoup joué. Hein. Il a un peu plus de temps de jeu ce soir. Le numéro 9 de Montbrison qui est de retour sur le parquet. Oh, bien joué! On a joué très vite! Ouais, c'était bien préparé ça. Bien préparé pour Godou à la finition. Thompson a anticipé sur une sortie et il y a eu un super flash de Godou et le passeur l'a trouvé sur un flash. Et la belle interception, les bonnes mains d'Armand Charles. Pareil, troisième faute pour May Thompson et faute antisportive. Faute antisportive sifflée. Alors il faudra voir ça. Ouais, l'arbitre était mieux placé que nous. Il a estimé qu'il avait ceinturé. Et donc deux lancers francs plus la possession. Qu'est-ce que t'en penses? Aïe, il est effectivement l'arbitre, il a un mètre de l'action, il le ceinture au niveau du bassin. Et pas derrière, voilà. Attrapé au bassin. C'est directement sanctionné par une faute antisportive. Antisportive, les lancers plus la possession, vous l'avez compris. Oh là là, encore des lancers manqués par Montbrison, Armand Charles, mais la possession qui va être retrouvée pour les BCMistes. Roser Malonga. Ouais, dommage pour Quincy Hawkins Cole qui ne peut pas finir. C'était une bonne passe, hein. Trouver une passe à terre. Ouais. Et Montbrison est à 4 sur 11 au lancer franc. C'est beaucoup de points lâchés. Alors que Mulhouse, de son côté, au lancer franc, est à 9 sur 12. Ils n'ont lâché que 3 lancers francs. Ouais, Mulhouse qui s'en sort bien hein, par rapport au score. Là, ils sont devant, mais effectivement, sur l'ensemble des lancers ratés par Montbrison, le BCM serait largement en tête s'ils avaient été un peu plus propres. Ça fait partie de ces finales. Des petites lacunes de temps en temps. Sarkis, bien redonné à Grébongo. Il avait tout le temps de prendre ce tir. Oh la gamelle, la gamelle. Sur un bon flair et un tir parfaitement en prime, malheureusement, fait gamelle. Montbrison qui revient à la charge avec Armand Charles. Oh là là, le petit shoot dans son spot là, en l'air. Et ça redonne une possession parce qu'il y a, vous l'avez compris, un Espagnol dans la raquette qui mesure son 2-0-7. Voldoire, step back. Oh là là, il y avait une main sur lui complètement.
Il avait presque la main sur le visage. Ah, quelle bagarre. Quelle bagarre à nouveau au niveau du rebond. Et les deux équipes mettent beaucoup d'énergie dans ce domaine. Et c'est très important. Ah, c'est vrai que Mulhouse a un petit peu plus de paires de balles. Voilà, ils sont à la mi-temps, ils étaient à 13 paires de balles et Montbrison a un peu plus de déchets au niveau du lancer franc. Donc c'est deux statistiques qui viennent un petit peu équilibrer, d'où le score de plus 1 pour Mulhouse Pastat. Les Alsaciens qui sont toujours devant et on a envie de rejouer sur ce qui s'est bien passé pour Montbrison tout à l'heure, du jeu rapide en sortie de remise en jeu. Et attention, Mulhouse là qui joue sur Montanana, le post-up pour retrouver Deal, un tir plutôt ouvert, c'est manqué. Ouais, après une bonne fin de tir. Oh, l'interception, elle est bonne. Heureusement, il y avait Jelin qui veillait au grain derrière. Ah, Godou. C'est verrouillé là pour Godou. 10 secondes. 10 secondes pour Rosaire. 10 secondes pour ce tir. Et voilà, Rosaire Malonga, le sniper, il adore sortir de son dribble et dégainer. Ça se produit encore. Filoche. Allez, Montbrison sur ce panier qui repasse devant. Un gros shoot à la limite de la possession. Deal, bien joué. Il est ressorti dans le corner. C'est bien fait ça pour Willig qui manque un petit peu de précision sur ce tir. C'est que Willig, c'est plutôt un fort joueur dans la pénétration qui peut tirer également à 3 points, mais on sait que son point fort, c'est vraiment le drive main gauche. Rosaire Malonga. Voldoir. Voldoir sur sa main gauche. Il a vu à l'opposé Jelin dans le corner, mais c'était une passe un petit peu longue au-dessus de tout le monde et au-dessus de Jelin. Passe de renversement, effectivement. C'est bien de changer le jeu, effectivement, pour que la défense se déplace, mais cette passe était trop forte. Mulhouse est devant, 51-49. Mulhouse fait la course en tête, mais rien n'est terminé. Sarkis. May Thompson, il a pu garder cette balle. May Thompson, pris à deux, bien joué. Attention à ce get-back. Oh, il est monstrueux. Ouais. Oh, il est monté tellement haut, sur la planche. Gros troisième carton de Goudou qui est présent des deux côtés du terrain et là, qui a contré par derrière Milling qui l'a pas vu. Oh, j'ai eu l'impression de commenter un top 10 court cuts. Goudou, magnifique. Oh, il a tenté un petit hook shot là. Pour se remettre dans son jardin. Oh là là, dans le secteur intérieur, il y a de la barbaque, hein, il y a de la bonne viande là. Comme on dit, ça brasse. Ça brasse. Et ça brasse aussi avec Sarkis. Et l'aide de la planche, est-ce que c'était annoncé? Je suis pas sûr. Non, moi non plus. Je pense pas qu'il est annoncé, mais en tout cas, ça fait 3 points de plus pour Mulhouse qui repasse devant. Donc là, ouais. Vraiment un chassé croisé, c'est fantastique. Il y avait du culot dans ce tir. Plein de fougue. Et ça repasse devant. Oh là là, magnifique, dommage. Sarkis qui est le meilleur marqueur de Mulhouse hein, avec ses 13 points. Ah, il est sensationnel en sortie de banc, on le précise. Ouais. Sarkis, il est sensationnel sous les yeux de son grand pote Gershon Yabouzélé dans les tribunes. Et Kani ouais. C'est oui, et Kani. Comme tu dis là, c'est vraiment un top 10, des gros shoots, des grosses actions. Oh là là. Deux tirs à 3 points de Mulhouse qui leur permet de passer devant là, plus 4. Ça s'enflamme à l'Alsacienne. Ouais, beau spectacle, beau spectacle. Jean-Luc Monchaud qui donne ses consignes. Hein. Ainsi que le cop mulhousien aussi. Il donne de la voix plutôt. Ouais. Avec les tambours qui sont de sortie. Ouais, c'est le cop 2001. Avec leur clown, leur mascotte. Ouais. Et les supporters de Montbrison qui se sont calmés un petit peu. La marée verte. Rosaire Malonga, oui, bien joué. Il va tenter un drive. Oh, il est ressorti proprement. Il est sorti sur Voldoir à 3 secondes de la fin de ce troisième carton. Et une faute sifflée. Mmh. Alors là, ça, Patrice. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre parce qu'ils ont beaucoup laissé jouer au niveau de la bataille du rebond. Et là, cette faute, elle n'est pas vraiment cohérente, on va dire, par rapport aux autres fautes qui ont été sifflées, qui n'ont pas été sifflées jusqu'à présent. Alors, ça se passe à l'intérieur. Ouais, c'est léger, hein, c'est sévère. Hein. C'est plus sévère de la part des arbitres. Ouais, ça donne 2 lancers francs à Montbrison. Parce que c'était la quatrième faute d'équipe de la part de Mulhouse. Donc Montbrison a l'opportunité de revenir à 2 points juste avant la mi-temps. Dans le bonus, effectivement, Montanana sur la ligne des lancers. Important
de marquer ses deux lancers francs. Ah, c'est manqué, pourtant il a de l'expérience le garçon, hein. Je le disais, cet Espagnol qui a joué en sélection jeune avec notamment Pau Gasol ou José Calderón. Oh, il manque les deux, improbable. 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 Dites bien, ils sont à 5 sur 14 au lancer franc. Aïe, aïe, aïe. C'est énorme. Mon Brison serait largement devant, ouais. Je le disais tout à l'heure, s'ils avaient été un peu plus propres sur la ligne des lancers. Ouais. Ça peut jouer parfois sur ce genre de choses, les finales. De Coupe de France et même les finales dans leur gestion. C'est terrible pour Montbrison qui est derrière, mais pas non plus de tant que ça, 4 points seulement. Petit score sur ce carton, 11-15 pour Mulhouse. On était habitué à avoir un plus de scoring sur le début de match, mais là on a vu que la défense a pris le pas sur l'attaque. Pendant qu'on revoit Roser Malonga, il adore ça, je le disais tout à l'heure, il sort de son dribble et il shoot tête de raquette, et on revoit aussi ce tir avec la planche, plein d'audace, plein de fougue de Sarkis. Et on peut voir qu'il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé, ah ouais. Ça s'est vu. Hein. Là, on a vu sur son visage. Ouais, il y a eu de l'adresse dans ce troisième carton, mais ça manquait évidemment d'adresse sur les lancers francs du côté de Montbrison notamment. Aïe, aïe, aïe. Montbrison qui est en quête, hein, toujours de ce titre du côté de Paris. Eux qui recherchent ça depuis 31 ans, je le dis. Hein. Au niveau des titres nationaux, une dizaine de 31 ans. Mais pourtant, au palmarès, il y a bien 4 titres dans cette compétition. 1966, 1973, 1981 et 1988 pour Montbrison. Voilà, c'est le palmarès qui reste pour l'instant vierge depuis 31 ans. On est le 10 mai. Je ne sais pas si ça peut être symbolique, mais malgré tout, le 10 mai 1981 avait eu lieu le troisième titre de Montbrison. Voilà, pour peut-être... Un élément chanceux pour le BCM pour se remettre dans cette partie. Ouais, par rapport au stade, on voit qu'il y a une petite domination de Mulhouse au rebond, 38 rebonds à 34, à égalité au niveau des rebonds offensifs, mais la différence se fait clairement au niveau des lancers francs. Et on peut noter que Mulhouse n'a pas tenté ils ont lancé 2 lancers francs sur ce carton-là, ils sont à 9 sur 12. Ouais, une adresse très très compliquée. Hein. 28%. On a dû. Ouais. Ouais, on est sur une adresse générale. Une adresse générale de 39 à 46. Ouais, c'est pas fou. Hein. Mais c'est surtout. On est dans ces francs où c'est un petit peu en dessous. Sarkis au combat face à Gelin. Derrière Sarkis qui va se retourner. Attention, 13 secondes pour Sarkis qui garde le ballon entre ses mains. Il a la main chaude. Il sort d'un gros 3 points avec la planche. C'est sorti pour Grebongo. Il est obligé d'attaquer le cercle et il obtient la faute. C'est bien joué à 5 secondes du terme. On a eu la même action à la fin du troisième carton où Grebongo a pris le tir à 3 points. Cette fois-ci, il a préféré attaquer le cercle sur sa main gauche et provoquer la faute et avoir 2 lancers francs. Grebongo de retour sur la ligne. C'est son voyage préféré ce soir. Clairement, pour Johan Grebongo, ce centrafricain qui dispute sa 5e saison au club de Pfastatt, lui qui a été formé à Gravelines, hein. La formation de Gravelines. C'est lui le meilleur scoreur de cette équipe de Pfastatt dans cette Coupe de France. 15,3 points. Aujourd'hui, il est à 10. Il n'est pas loin de sa moyenne dans ce match. Et qui, malheureusement pour lui et pour Mulhouse, fait également 0 voilà. sur 2. Ouais, tu fais bien de le préciser, effectivement. Et de l'autre côté, Godou manque un petit peu aussi dans la finition. Alors, on est dans le quatrième carton. Qui va prendre le momentum de ce match? Qui va avoir les ressources nécessaires pour aller chercher ce trophée de la Coupe de France? Ce trophée... qui manque tant à ces deux équipes. À nouveau, oh là là, il y a du contact. Ah, c'est dommage. Allez, il restait 4 secondes sur la possession. Mulhouse était dans son élan, ouais. Je crois, Charles. Ouais, Mulhouse était mal embarqué sur cette attaque et malheureusement une faute un petit peu stupide qui donne touche sur le côté pour Mulhouse et surtout avec 14 secondes de possession. Et Sarkis qui reste dans ce 5 par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. C'est Lucas Place qui n'est plus de retour là depuis un moment. Le meneur qui avait inscrit pourtant 24 points contre Sergi en demi-finale. C'est Sarkis en sortie de banc qui réalise un gros match. Willig, ouais, il est passé Willig sur sa main gauche, il avait tenté le flotteur. Ça ressort. Ouais, comme dit, c'est sa spécialité, c'est drive main gauche là avec ses flotteurs. Malheureusement, l'agressivité était excellente, mais pas la réussite. Gelin, le capitaine
de Montbrison pour essayer de ramener ses coéquipiers pendant qu'il y a une explication. Petite explication du langage verbal entre Sarkis et Jelin. Mais on a vu que son coach l'a tout de suite recadré en lui demandant de rester bien dans son match et de ne pas s'éparpiller sur autre chose. Il y a de la discussion même avec les arbitres. Et on sent toute l'expérience de Monchaud. Effectivement, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie à vouloir. Rien n'a été sifflé à ce niveau-là. Et ça va être une remise en jeu pour Voldoire. Oh là là, ils ne sont pas passés loin de la perte de balle. Armand Charles, il va dégainer parce qu'il a réussi ça tout au long de la soirée. Et c'est ballon qui sera rendu. Ouais, il va être rendu. Il va être rendu sur cette sortie. Ah, on voit que. Tiens, les revoilà les deux là. Les revoilà au contact. Ouais. Ils vont pas se lâcher, mais en tout cas, Valentin montre l'exemple à ses coéquipiers et met une grosse intensité défensive. Et c'est que comme ça que Montbrison va pouvoir revenir et passer devant. Parce qu'en termes d'adresse, ce soir, c'est. Ouais, il fait une défense swing-gum là, un petit peu là. Ouais. Collé à son défenseur, Valentin Jelin. Sur Sarkis, il a lancé à Grébongo. Grébongo qui n'obtient pas la faute. Belle défense de l'Espagnol. Bien placé, les bras en l'air. Coup de fence, better defense. Roser Malonga. Bon, il allait prendre ce tir. Il a préféré redonner dans ce post-op. Oulala, il y avait des mains dans tous les sens. Ah, et cette fois-ci, par rapport à la défense qu'on a eu juste de l'autre côté, on a eu un défenseur qui avant a défendu au sol, qui a été récompensé par sa bonne défense. Et là, cette fois-ci, on a un joueur qui a sauté sur une feinte. C'est deux lancers francs-forts logiques. Alors, on va voir s'il y a un peu plus d'adresse sur la ligne des lancers. Leur grand problème ce soir à Montbrison. Ouais. Ça va mieux. Godou qui est à 3 sur 4 sur ce match pour le moment. Très précieux les lancers francs. Allez. Oh là là, avec un peu de réussite, c'est monté très haut dans les airs et ça finit dans le cercle. Montbrison qui recolle à moins 2. Ouais, on a surtout le retour des Cani à la place de Minté. Pour les 8 dernières minutes, quoi. Ça passe tellement vite. Ça passe si vite. 8 minutes encore à jouer dans cette finale du Trophée Coupe de France. La balle dans les mains de May Thompson. Karomi à l'intérieur. Ouais, il s'infiltre, Grébongo. Ouais. Au milieu de 3 joueurs, il est obligé de ressortir pour l'Anglais. Il va monter au cercle, l'Anglais, il obtient la faute. Il était pas loin de convertir ça. Et on a vu que Grébongo est capable de partir en dribble, tirer à 3 points, être présent dans le jeu posting et la passe de renversement. Un joueur vraiment très, très complet. Joueur de tous les dangers, et oui. Capable de trouver aussi les bons espaces pour donner des bonnes situations, notamment à May Thompson. On rappelle que Mouloud Fastad va disputer les playoffs d'accession en National 1. Et voilà, c'est pour eux, ça leur permet de rester en rythme sur leurs prochaines échéances. Ça sera contre Laval. Ça sera contre Laval. Ces playoffs en 2 manches gagnantes qui les attend la semaine prochaine. Jean-Luc Monchaud, il n'aura pas terminé ce soir. Ouais. Qui va déjà tout de suite enchaîner avec des vidéos sur Laval. Ils ont la chance d'avoir l'avantage du terrain. Donc, je pense qu'ils auront leur carte à jouer. Montanana en manque de réussite, l'Espagnol. Sarkis. Ouais, il s'est retourné. Il y avait Ekani en solution. Ekani, le jeu en 1 contre 1 et ça touche. Une partie de flipper. Ouais. Ça rebondit sur les chaussures. Ah, le retour de Green Beer, la barbe verte. Ouais, qui est un petit peu discret pour l'instant dans le scoring. Hein, ouais. Pour Quincy on skin call. Qui a 1 sur 6 pour l'instant au tir, présent au niveau du rebond, avec 5 rebonds, dont 1 offensif. Mais dans le scoring, à part la claquette, on n'a pas eu beaucoup de réussite pour. Tiens, le voilà, il n'a pas voulu se mettre en difficulté tout de suite. Il a préféré revenir sur Jelin. Une passe en no look. Ouais, bah ouais, si personne monte sur lui, il va le prendre, évidemment, Godou. On a vu qu'il est capable de les prendre et surtout de les mettre à cet endroit-là. On reste à moins 3. On reste à moins 3 à 7 minutes de la fin. Pour l'instant, Mulhouse se dirige vers un titre, mais rien n'est terminé. Raheem Thompson, il s'avance, il préfère revenir sur Grébongo. Grébongo, ça a hésité deux fois avant de ressortir. Et Roser Malonga qui met du rythme. Jelin, catch and shoot. Aïe, 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 ça manque un petit peu. Dans la finition au tir pour Montbrison en ce moment, cette fois c'est fort. Cette fois c'est fort et avec toute la rage. Point levé vers son banc.
Ouais, excellent, excellent. Il a su le rebond offensif et il permet à son équipe de revenir à un seul point. Donc, ce match n'est pas terminé, Patrice. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et la preuve, interception. Ce match n'est pas fini. Il y a peut-être un aller ou pas venir. Oh là là, ouais, on passe, lui a refusé le cercle. Passe un peu compliqué, quoi. Passe un peu compliqué de la part de Gelin. Mais bon, ils sont revenus rapidement en défense. Ouais, on le sait, hein, Valentin Gelin, il aime aussi distribuer ce genre de caviar. Je parlais de Courtecuts tout à l'heure, mais à chaque fois, sur Courtecuts, on récupère ce genre d'action signé Montbrison TV. Et Gelin est souvent à la passe décisive. Charles. Ouais, à l'opposé, il y avait une solution avec Roser qui a fixé et qui a donné à l'intérieur. Oui, la belle fixation et le N1 validé. Oui, ils peuvent se congratuler. Greenbeer est là. À nouveau, bonne relation, un petit peu comme en première mi-temps entre les deux intérieurs de Montbrison et qui provoque le panier avec la faute, qui permet surtout à Montbrison de repasser devant. Tu disais il n'y a pas très longtemps que Mulhouse... Ça passe si vite, ça tourne dans tous les sens. Et effectivement, le moment de commencement, c'est Montbrison. Je vais pas me prononcer, hein, parce que là, il y a un changement, ça peut être dans tous les sens, à tout moment. Donc pour l'instant, difficile de se prononcer qui est-ce qui soulèvera la coupe en fin de match. Maintenant, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Et, c'est génial. Les possessions vont être importantes, les petits détails également. Et c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs, qui, je pense, ira au bout et surtout qui arrivera à marquer ses lancers francs. Si Montbrison continue à être agressif comme ils le sont depuis un petit moment et arrive à avoir un peu d'adresse aux lancers francs, je les vois aller au bout. Quoi. Ah, je le disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui étaient avec nous l'an passé, cette finale entre Kaysersberg et Toulouse, ça ressemblait un petit peu à ça. Sur des détails et finalement on est allé au bout de la prolongation parce que c'était tellement serré, aucune des deux équipes n'arrivait à faire la différence et c'est un petit peu ce qui se passe ce soir, les écarts qui grimpent et qui repartent dans l'autre sens à chaque fois. Là c'est Montbrison qui a pris le lead mais qui dit que Mulhouse Pfastatt ne reviennent pas aussi juste après. Le suspense est entier et on adore ça, 7 minutes de plaisir, un petit peu moins maintenant. 5 minutes 49, je me suis emballé, j'ai envie d'un peu plus forcément. 5 minutes 49 de régal avec sur la ligne un lancer à suivre, hein, parce qu'il a entré le tir juste avant de Quincy Hanskinskold. C'est son premier lancer franc du match. Ah. Et il est manqué, mais regardez la bagarre intérieure. La bagarre intérieure, ouais, bon il rebond. Peut parler encore. Ouais, excellent rebond de Godou qui va arracher ce rebond sous la tête des intérieurs de Mulhouse pour marquer et permettre à Montbrison d'avoir 3 points d'avance. Ouais, c'est la rage de vaincre, hein, Godou ce soir. Et bien joué. Oh là là, les N1 des deux côtés, c'est difficile là. Personne n'arrive à prendre le lead sur ce match. Les deux équipes sont en ce moment sur un pied d'égalité. Mulhouse peut repasser à égalité tout de suite avec ce lancer. Pendant qu'on revoit la bagarre au rebond, hein, la lutte, Godou est là, impérial. Il arrive à prendre Ekani, hein, de vitesse et surtout en termes de hauteur. Il arrive à passer les bras sur Ekani. Et là, attention, il s'est fait. C'est fait, il égalise. Oh la régalade. À peu près 5 minutes 30 de la fin de la rencontre. 59 partout. Quel match. Oh, vous le vivez en direct sur YouTube. Là, n'hésitez pas à balancer vos commentaires, vos pronostics. Qui va s'imposer? Quincy Hanskinskold, il monte très haut et il finit main droite. Ouais. C'est bien sous les applaudissements de son coach là. Ouais, le changement a été positif. Là, il vient d'enchaîner deux actions positives pour Montbrison et surtout permettre à Montbrison de passer devant. Oh, il est bon ce tir, dommage. Et le rebond offensif, cette fois, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, il se rattrape. Ah, c'est assez impressionnant là. Les rebonds offensifs qui se multiplient des deux côtés. Avec Greg Bongo cette fois. Qui retrouve la ligne des lancers francs. Voilà, 14 rebonds offensifs pour Montbrison et 13 pour Mulhouse. Mulhouse qui a encore une fois l'opportunité pour recoller. Finale à suspense et cette fois il ne pourra pas recoller, il pourra faire un moins 1 au mieux, revenir à moins 1 dans ce match. Mulhouse Pfastatt. On peut noter que l'adresse a quand même un petit peu baissé par rapport à la première mi-temps où on avait un score de 40-40 et là on est tout juste à 21-19. Ray Bongo cette fois, il réussit le deuxième.
et Montbrison sur cette possession à l'occasion de faire un petit break. Un petit parce que, oh là là, Rosaire, il était allé plus vite que la musique. Là, il a perdu le ballon. Ouais. Il s'est emmené le ballon un petit peu trop vite. Et c'est Place qu'il a récupéré. Et Cani, on a contre un face à Godou, c'est solide. Hein. En défense, Willig, pareil, il essaye d'avancer. Mais clairement, il y a des murs des deux côtés. Je pense que les défenses se sont un peu resserrées là. Ouais, des deux côtés. Ça devient compliqué de trouver l'accès du cercle. Ouais. Un peu de maladresse, un peu d'excès de précipitation et qui font faire des mauvais choix à l'attaque. Comme on l'a dit, là, la défense a pris le pas sur l'attaque. Ouais, on est entré dans un match défensif là dans cette fin de match parce qu'évidemment le score est serré. Donc on resserre un petit peu les boulons de part et d'autre. Charles, il préfère revenir. Ouais, il a crossé son défenseur. Jelin, il obtient la faute. C'est sifflé par les deux arbitres. Et puis surtout, je trouve qu'on a un arbitrage, peut-être on avait un petit peu fait la remarque juste avant la fin du deuxième carton, mais un arbitrage qui laisse jouer, qui laisse des contacts et qui laisse les attaques s'exprimer, la bataille du rebond, et c'est un match plutôt plaisant. Montbrison à plus 1 avec deux lancers pour le capitaine de cette équipe de Montbrison, Valentin Jelin. Le joueur de Vichy, passé par Rodez et désormais à Montbrison. Depuis 5 ans, il a toute la confiance de son coach Jérémy Beaufort, capitaine de cette équipe, de ses BCMistes. Ouais, il est en train d'emmener Montbrison vers le bon chemin. En tout cas, pour l'instant, 63-60. Alors, on voit que pour un arrière-shooter comme Valentin, 2 sur 2 lancé franc, c'est très précieux. Raheem Thompson, May Thompson pour Place, bien joué. Il a laissé Grébongo passer. Oh, bien joué, la finition, elle est très propre. Elle était difficile pourtant. Ouais, super deuxième mi-temps de Grébongo qui a percuté la défense de Montbrison pour apporter 2 points sur cette percussion. Ouais, joli chemin trouvé. Et Jelin qui va devoir réagir tout de suite parce qu'ils sont revenus à moins 1 déjà. La réaction encore de Mulhouse. Ouais, et le tir. Contré. Ouais, touché dans les airs. Parmi les lignes. Rebond encore un offensif, hein. C'est incroyable, faudra les compter ces rebonds offensifs des deux côtés. Hein. Ouais. C'est vraiment la bagarre du rebond ce soir. Je disais, il y a des sacrés bestiaux, notamment celui-ci. C'est l'Américain sur la ligne, Quincy Hankins Cole. Arrivé à Montbrison pour cette saison, lui qui était passé à Sorgue en National 1. Ouais, qui marque son 7e point, mais surtout qui a déjà 4 fautes. Et il reste 3-36. Attention à la gestion de sa 5e faute potentielle. Ouais, ça fait du bien en tout cas, hein, sur la ligne des lancers quand tu as un Quincy en forme pour reprendre un petit avantage de 3 points. Mais depuis tout à l'heure, Mulhouse, Pastat réagit à chaque fois, à chaque nouveau panier. Montbrison réagit, cette fois c'est manqué. C'est manqué. Et là, Montbrison, cette fois, à 3 minutes du terme, a une bonne occasion de prendre un peu le large, un peu, je dis bien un peu. Roser Malonga est passé devant Quincy Hawkins Coles et il finit en difficulté là. Sa main gauche là, malheureusement, c'est un tir raté qui lui offre un muscle d'opportunité pour repartir. Oh, il est absolument tout seul, ils l'ont pas vu à l'intérieur. Il n'a pas été servi. Et une faute un peu bête, voilà, où il n'y a pas vraiment un danger de tir, mais qui offre deux lancers francs à Mulhouse. Ouais, ils s'en sortent bien. C'est dommage parce que Mulhouse, il y avait vraiment une solution intérieure. Il n'a pas été trouvé, notre ami Quentin Willig. Mais c'est pas grave parce que Thompson est sur la ligne et peut recoller légèrement à un point. Du shooter, Quentin. Quentin Deal, comment tu dis ? Good deal. Bravo, good deal. Ouais, il était sur le dernier court cut de la saison. Et May Thompson, aïe. En même temps, il est juste devant la marée verte. Hein. Ouais. C'est pas forcément évident. Il y a les supporters de Montbrison qui donnent de la voix là. Juste devant l'anglais. Allez, le londonien là qui a envie de se rassurer avec ce tir pour revenir à une possession. Là, il y a 2 points d'écart désormais. Charles. 2 minutes 49 encore à jouer dans cette finale du trophée Coupe de France. Et May Thompson qui veut se reprendre tout de suite défensivement. Oh, c'est chaud. C'est très très chaud, Patrice. Ouais.
C'est vraiment du suspense, je pense, jusqu'au bout là. Difficile de se prononcer sur le vainqueur final. Ah, les deux entraîneurs ont les mains sur les hanches, hein. Des deux côtés. Je pense que ça fait les 100 pas des deux côtés. Regardez, ils sont connectés les deux là. Jérémy Beaufort et Jean-Luc Monchaud. Ils font les 100 pas près du banc. Regardez ce coach d'expérience, un monument du basket français qui entraîne cette équipe de Mulhouse Pfastatt. Il faut préciser, on le rappelle, c'est sa première saison à Mulhouse Pfastatt parce que c'est une association, les deux villes, Mulhouse et Pfastatt. Une fusion cette saison, c'est la première de l'année. Allez, Roser, Malonga. Charles, oh, il avait cherché en Kings Call dans une passe vraiment un petit peu difficile encore là. Je pense qu'il avait le tir ouvert, mais il a préféré. Raymond Go, il a tenté un Eurostep et il est puni. Il est puni parce qu'il y avait la montagne. Ouais, quelle bonne défense. La montagne verte. Il défend bien Montbrison en deuxième mi-temps là sur les drives. Ils sont propres, ils sautent pas sur les feintes, ils gardent les appuis au sol. Et là, grosse défense de Kings Call. Minutes 15 et encore le plein de suspense. Attention, il y a un 2 contre 2 à jouer. Oh, ils auraient pu mieux faire là. Il y avait peut-être mieux. Et Valentin Jelin qui reprend le tempo. Voilà, main à main avec un pick and roll de nouveau, un pick and roll rentrant. Ouais, on cherche Quincy. Ouais, il manque. Allez, il récupère. Oh là là, c'est incroyable. Ils se battent tous à l'arrache. Et de lancer franc. Et oui, ouais. Et oui. Là, on rentre dans les deux dernières minutes et là maintenant. Chaque possession va vraiment avoir son importance. Ça va compter, là. Ouais. Ça peut compter, là. On a vu que Kings Call a raté son tir crochet main gauche, mais tout de suite a récupéré le rebond et a fait preuve d'abnégation. Et on s'est expliqué tous ensemble avec la voix de Valentin Jelin, le capitaine, entre les joueurs de Montbrison. Le capitaine qui a envie de restaurer un petit peu de tranquillité. Pas trop de panique sur cette fin de match. On garde son calme et on joue à fond le match. Une 52. Possibilité pour Quincy Hawkins Cole. Ouais, qui vient de marquer 3 lancers francs d'affilée. Ouais. Avec son retour sur ce dernier carton, après s'être reposé un petit peu sur le banc, fait beaucoup de bien à Montbrison. Quincy Hawkins Cole avec son bandeau et sa barbe verte, décidément. Hein. Quel look atypique pour l'américain. C'est tendance en ce moment dans le basket, ces petits bandeaux de ninja là, Jimmy Butler en NBA, ouais, Jrue Holiday. Je te verrai bien avec là. C'est vrai ? Ouais. Bon allez, écoute, je vais m'installer ça, je vais lui récupérer ça. C'est une bonne idée. Bah écoute, si jamais Montbrison gagne, moi je te propose de lui demander. Bah je vais aller lui chercher directement. Ah pourquoi pas. Directement. Ah ouais, je peux prendre ton bandeau. Très bonne idée. Et pendant ce temps-là, vous l'avez compris. L'écart qui s'est intensifié pour Montbrison à 1 minute 52 du terme. Je le disais, il y a 31 ans de disette pour ce club, pour le BCM. 31 ans sans titre national. Eux qui font plutôt de bonnes saisons depuis un certain temps, en National 2 notamment. Ils n'ont toujours pas soulevé de trophée depuis cette année 1988. Ouais, ça remonte. J'ai hâte de voir quels vont être les choix de Jean-Luc Monchaud là, sur cette dernière minute 52. Là. C'est lui qui vient de prendre son deuxième temps mort. Il n'en restera plus qu'un seul derrière. Comme Montbrison en a encore deux. Donc, ils ont besoin d'avoir un tir ouvert, que ce soit dans la raquette ou à trois points. Et puis, on va voir si Montbrison a décidé de changer de défense ou alors s'ils vont rester sur une défense au Maroc. Ouais, pendant qu'on revoit, voilà, il a fini dans la caméra complètement, justement, au Kings Call, là, ce petit jet. Il a glissé un petit peu à la retombée. Il a fini directement sur le caméraman. Ah ouais, double écran place pour le shooter. C'est bien joué. Le catch and shoot, il est impérial. Mr. Good Deal. Ouais. On va le dire, on va le répéter. Il est parfait derrière la ligne. Super exécution du système. Avec un double écran où ils ont fermé la fenêtre. Et Quentin Deal est passé, mais pas son défenseur. En mode arbalète. Tir ouvert. En mode arbalète pour Quentin Deal. Et ça met la pression évidemment sur Montbrison. Ça met la pression sur les shooters, notamment Armand Charles. Attention, ouais. Attention, parce que là on est à 1,28 de la fin. Et attention à ce ballon, Quentin Deal, il a envie de le prendre encore. Quentin Deal est encore là. Ouais, il est passé devant avec Mulhouse. Quelle sortie de temps mort pour Quentin Deal, 5 points d'affilée qui permet à Mulhouse de repasser devant, plus 1. Oh, il est en feu.
Et voilà, je le disais, ça a mis la pression sur Montbrison, il s'est obligé maintenant de scorer. La réaction, il est au milieu de trois joueurs. Oh, c'est dur, que Ouh. C'est dur, mais c'est bon. C'est bon et on aime ça. Quelle réussite. Bravo Doux. À preuve de son toucher. Oh, il nous sort un tir de nulle part. Ouais. La réaction, attention, Agrébongo. Et attention, ce rebond aussi. Rebond pour cette tentative à 3 points, c'est manqué. 48 secondes de la fin de cette rencontre. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est beaucoup trop chaud pour nous, là. Ouais. Malgré la clim, on commence à avoir un petit peu chaud, là. Oh, le parquet est en feu. Roser Malonga. Ouais, on est au bout du suspense. Roser Malonga, il en a déjà mis deux. Ce soir, des tirs comme ça, et c'est manqué. Occasion pour Mulhouse, Pastat. Avec May Thompson. Ouais, attention à ce tir. Il va le prendre, évidemment. Il est en place. Lucas. Quel shoot! Il est en place, Lucas! Ah, là, ça fait plaisir pour lui parce que voilà, il est passé à côté de son match en termes de réussite, en termes de perte de balles et il a raté le tir au même endroit 30 secondes avant et cette fois-ci il le met. Excellent shoot pour Mulhouse. Oh, c'est terrible pour Montbrison, ce tir qui peut potentiellement les mettre KO. Oh, la marée verte qui a pris un sacré coup derrière la tête à 19 secondes de la fin. Regardez ce tir! Oh là là, on revoit le tir de Deal. Et puis ce drive, hein, le drive de Deal, il n'a pas eu froid aux yeux. Et ensuite, voilà la percussion de Thompson pour écarter. Je le disais, il était dans sa place. Lucas, place est là. Et pour l'instant, il offre peut-être le titre à Mulhouse Pastat. Ouais, 19 secondes à jouer. C'est, tu parlais depuis le début de la retransmission, tu parlais d'une prolongation. Bah écoute, je pense qu'on peut y aller. Hein. On peut y aller, c'est une possession vraiment importante pour Montbrison. Les deux équipes ont 5 fautes d'équipe. Si effectivement ils sont capables de provoquer une faute, ils ont 2 lancers francs. En tout cas, il y a du suspense. Remise en deux sur le côté pour Armand Charles. Avec Gelin, Rosière, Okinkol et Godou. Ce sont les 5 joueurs de Montbrison. Attention à cette possession, elle est décisive. Avec Gelin, il a nourri l'Américain. Godou en force, Godou s'est manqué. Oh là 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 là. Pas de chance. C'est accessible. Il avait très bien joué cette relation intérieure-intérieur. Mais Godou, il a manqué de réussite. Aïe. Trop d'énergie dans ce tir. Oh, c'est terrible. Oh, il était. Il y avait porte ouverte là. Il y avait porte ouverte pour Godou. Oh, il va s'en vouloir. Ouais, on le revoit en ralenti là. Ah, il était seul et malheureusement derrière sur le rebond défensif de Mulhouse, il provoque. Il commet sa 4e faute qui donne 2 lancers francs à May Thompson. Permettre à Mulhouse de passer devant avec 2 possessions d'écart. Mais bon, c'est pas fini, il restera 12 secondes derrière et Montbrison a encore un temps mort. Il reste 12 secondes, 12.1 au chrono. Ah, pardon, c'est Grébongo qui est au lancer. Grébongo, oui, absolument. Grébongo qui a l'occasion vraiment de rassurer tout le monde avec ses lancers, mais rien n'est terminé parce qu'il est juste devant la marée verte, je le disais. On est du côté des supporters de Montbrison. Et regardez, ça tremble. Et Hankins Cole qui, point serré, valide ce raté. Grébongo qui remet le suspense dans ce match. Il y aura quand même 3 points d'écart, ouais. C'est-à-dire une possession. C'est son 17e point pour Grébongo qui a effectivement fait une super deuxième mi-temps. Alors qu'en première mi-temps, il était à 8 points. Donc un match plutôt solide pour lui et pour Mulhouse Pastat. Allons-nous vivre un tir à 3 points synonyme de prolongation, pourquoi pas. C'est en tout cas, je pense, le plan de jeu annoncé par Jérémy Beaufort. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire là, Laurent? Ouais, je pense qu'il y a 2 options. Soit effectivement on cherche un tir à 3 points, soit on cherche un drive sur drive rapide et puis provoquer une faute derrière parce que la réussite n'est pas vraiment au rendez-vous. Pour l'instant, ils sont à... Je regarde les stats, ils sont à 23% de réussite, ouais. Pour Montbrison. Donc j'opterais plutôt pour un drive rapide et puis derrière faute directe.
pour espérer un échec mulhousien. Bon, on verra ce qu'ils vont proposer. On l'a vu que Mulhouse tout à l'heure, ils ont trouvé un super tir à 3 points avec Quentin Dill. Je pense qu'entre Jelin et Malanga, ils ont aussi des Armand Charles. Ils ont quand même 3 tireurs à 3 points. Ouais. Donc on va voir ça de suite. En tout cas, on a une touche sur le côté. Le 5 pour Montbrison, Charles, Jelin, Godou, Roser Malanga et Quincy Hawkins Cole. Voilà, pour tenter un tir sorti de nulle part à 3 points. Il reste 12 secondes. Jelin, Roser Malanga, attention, le chrono qui tourne, le chrono qui tourne. Roser, il a un joueur face à lui, Roser Malanga. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ce tir est exceptionnel! Oh là là là! Oh le mental! Le mental! Voilà, on parlait d'un tir sorti de nulle part. Il a réussi ce genre de tir tout au long de la soirée. Il a été en réussite sur ce tir en tête de raquette. Ouais. Il en a manqué un tout à l'heure. Et il s'est bien repris sur le moment le plus important de ce match. 72 partout! Ouais, super shoot. Effectivement, ils ont préféré prendre le tir à 3 points. Et on a vu que c'était une option payante, mais attention, Mulhouse n'a pas dit son dernier mot. En 4 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Donc Mulhouse aura une dernière possession pour arracher la victoire. Alors comme tu l'as prévu depuis le début, on ira... Ça risque d'aller en prolongation, mais je commence à être inquiet pour ma voix là, parce que j'ai quand même 2 matchs demain à commenter, en direct aussi dès demain matin à 11h. Attention. Avec une bonne tisane, une bonne nuit de sommeil. Ah, je te sens que tu vas aller sans problème. Il faut revoir ce tir, évidemment. Regardez, il a face à lui un super défenseur et Kanye. Pourtant, vraiment, la tête devant le visage, il tremble pas, il prend ce tir. Il a rien à perdre en même temps. Il a rien à perdre. C'est lui qui remet Montbrison sur de bons rails à 4 secondes du terme. Attention quand même à la défense. Ouais. Parce que là, c'est Mulhouse qui peut répondre. Ouais, on voit que les supporters de Montbrison sont à fond là, juste derrière leur banc. Oh, quel match! Enfin bon, c'est simple, toute la salle est debout. Hein, voilà, regarde un petit peu, y a un suspense là. Et on attend avec impatience la suite. Quel match! Oh, j'ai l'impression d'avoir revu le tir de Kevin Walter l'année dernière, de Kaisersberg qui avait poussé la prolongation. C'est de l'autre côté. May Thompson, attention! 4 secondes, Lucas Place, il a scoré tout à l'heure à 3 points. Là, cette fois, c'est à 2 points, c'est non! Ouais. C'est non et c'est une prolongation! Grosse défense de Malanga. Qui nous offre une prolongation. Oh là là, du spectacle en plus, Laurent. Ouais. On se régale ce soir, gratuitement en plus, sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket. On se régale. J'espère que vous prenez un plaisir fou à écouter et à regarder cette rencontre. Vraiment, deux équipes qui se livrent une bataille absolument folle. On n'est qu'à la première journée de ce week-end de Coupe de France qui a commencé ce vendredi et qui terminera demain soir. Voilà, c'est une première partie exceptionnel, voilà, on a eu un superbe match aussi avant avec ce match entre Orthez et Voiron, cette victoire des magiciennes. Quelle équipe pour aller ressources là en prolongation entre Montbrison et Mulhouse pour aller chercher ce trophée Coupe de France. C'est fou. Ouais. On a eu une deuxième mi-temps plutôt moins en réussite au niveau offensif. Et un dernier carton rempli par Montbrison à 21-17 et qui leur permet d'arracher la prolongation. On est sur une réussite des deux équipes pour 36% de réussite globale pour Montbrison, ce qui n'est pas énorme. Et du côté de Mulhouse, on n'est pas beaucoup mieux, on est à 37%. Donc tu vois que l'adresse a fui en cette deuxième mi-temps. On vient de nous mettre. Au niveau des lancers francs, on est à 14 sur 23 pour Mulhouse. Et au niveau des lancers francs de Montbrison, on est à 13 sur 23. Ouais. On est à 56% de réussite d'un côté et 60% de l'autre. Ouais, c'est faible. C'est faible. Très faible. Grosse intensité, comme on l'a dit depuis le début au niveau du rebond. 17 rebonds offensifs à 16 pour Montbrison. C'est énorme. C'est énorme. Et comme on peut l'entendre, c'est Freddy Mercury qui nous le dit. Show must go on. On est reparti pour 5 minutes de kiff en plus. Allez, avec Lucas Place. On va voir si le proverbe qui dit souvent que le premier qui marque en prolongation remporte celui souvent qui fait le match qu'il faut. Donc on verra si ce proverbe sera d'actualité ou pas. Oh, quel plaisir. Quel plaisir de commenter ça avec toi, Laurent. Patrice, excuse-moi, Laurent. Pourquoi je dis Laurent, Patrice? C'est vrai. Je suis perturbé. Ouais. Je suis perturbé comme Quentin Dill qui vient de mettre le pied sur la ligne. Ouais, je suis perturbé là.
première défense tout de suite pour Montbrison. Quincy Hankins call. Armand Charles. Beaucoup fait sur ce match-là avec la diagonale pour retrouver Godou dans le posting. Ouais. À la perte de balle. J'ai l'impression qu'on a envie de trouver des tirs proches du cercle pour vraiment scorer rapidement. Et en premier surtout, c'est manqué. Et là, c'est Grébongo qui peut réagir tout de suite. Ouais. Bon, il avait passé les jambes. Ouais, bon choix. Le défenseur est sorti sur lui. Il a préféré partir en drive plutôt que tenter le tir à 3 points et qui provoque la faute avec deux lancers francs. J'aime bien cette deuxième mi-temps de Grébongo. Je pense qu'il est vraiment complet, offensivement en tout cas. Il montre de belles choses. Mais malheureusement, pour Montbrison, Hawkins Cole nous quitte pour sa cinquième faute. Et il est remplacé par l'Espagnol Montanana. Aïe, aïe, aïe. Et oui, Hawkins Cole qui doit sortir définitivement de la rencontre. Il va sortir du match avec 10 points et 8 rebonds, dont 3 offensifs. Donc pour une évaluation de 9. Un peu de déchets en début de match, mais il a très très bien terminé pour permettre à Montbrison d'arracher la prolongation. Oui, mais il doit laisser ses partenaires finir. 4 minutes 24 à jouer et un lancer sur deux de réussi. C'est-à-dire un point d'avance. Roser Malonga. Ouais, il est derrière les écrans là. Ça enchaîne et c'est Godou qui veut finir. Ah, il aurait pu se racheter là de. Ouais. De sa fin de deuxième mi-temps. Deuxième bonne défense d'affilée pour Mulhouse. Mulhouse avec Lucas Place. Il est en rythme. Ça ressort. Une nouvelle possession pour le BCM qui peut répondre. Oh, bien joué au large pour Gelin. Le post-op avec Montanana. Il a ressorti très loin pour Armand Charles. Bien joué l'hésitation. Le passage pour Godou et il est validé. Il est validé ce tir, c'est très très bien joué, parfaite finition pour Godou. Ouais. Excellent enchaînement entre la passe de renversement, le pick and roll avec la petite passe à terre pour un panier plus la faute qui permet à Montbrison de repasser devant. Et puis également cinquième faute, hein. C'est très vrai. Important hein, de Grébongo hein, qui va sortir du match avec 18 points. 18 points et je ne sais pas si tu as vu cette stat. Hein. 17 rebonds. C'est énorme. Je le disais tout à l'heure. Les rebonds offensifs et voilà, 17 rebonds, ça veut dire quelque chose dans le basket français. Ouais, quand je te disais qu'il a fait un match complet, ouais. Ben voilà, les stats sont là pour le témoigner. Lancer franc important. Ouais, très important évidemment pour prendre 2 points d'avance. Lucas Place. En rythme, Lucas Place à la baguette pour Ekani. Ouais, il essaye de se faufiler Ekani, mais il marche avec le ballon. Ouais. Je vais revoir le ralenti là parce que il avait l'air de contester cette décision. Ça repart très vite dans le sens. Armand Charles, 15 secondes. Ouais, Roser qui est ressorti. Oh, bien joué, il est sorti aussi Valentin Gelin. Dommage, il avait fait ce qu'il fallait. Et attention à Raheem Thompson. Ah, qui a décidé d'y aller seul sur un 2 contre 1. Et malheureusement, ouais. Manque de réussite. Et heureusement pour Mulhouse, il récupère le ballon. On a pu aussi voir ses qualités athlétiques parce que là, il est parti de loin. Ouais, il y avait de l'impact. Oh, ce tir est manqué, c'est dommage, il a voulu se racheter. Ah, tir un peu vite. Ouais, trop rapide peut-être. Précipitation pour Mulhouse, Fastat. Et une nouvelle possession. C'est très difficile de scorer en prolongation, vous le voyez. Les défenses sont resserrées, il y a de la présence. Oh, le putback! Oh, le putback! Évidemment, il peut s'accrocher. Aïe, aïe, aïe. Ah, il s'est un peu accroché. Avec Godou là. Toute son énergie sur ce rebond offensif. Ouais. Mais bon, il va avoir un simple avertissement. Oh, Godou, il a voulu célébrer sur le cercle là, après ce putback énorme, cette claquette dunk pour remettre, pour se matcher cette balle dans le cercle, bien fort. Ouais. Oh, ça fait du bien ça quand on voit son intérieur réaliser ce genre de choses. Ouais.
On voit qu'Ekani est venu en aide et que derrière son joueur était seul et donc du coup a donné un rebond offensif. Lucas Place, le gaucher, il a armé, il a shooté, ça rebondit sur le cercle et ça revient dans les mains de Mr. Good Deal. Quentin Deal, le petit drop, bien joué ça. Ouais. Il fait un bon match quand même, Quentin Deal, il faut le signaler. Ouais, ouais. 15 points pour le numéro 7 de Mulhouse. Ouais, le capitaine mulhousien ouais, qui a montré tout son toucher sur ce tir. Roser Malonga, il a drivé, il a feinté, il a préféré redonner. Ah, ça fait deux rebonds offensifs d'affilée. Ouais. Et là, ça va être une perte de balle, retour en zone. Ouais, quel engagement. Là maintenant, je pense que la fraîcheur physique et mentale va être importante dans ces dernières minutes. Et c'est un facteur qu'il va falloir maîtriser. Il reste, en tout et pour compte, 1 minute 49 au chrono. Et Kani, face à Godou, il a préféré remettre. Ça joue dans le secteur intérieur. Raheem Mathompson. Mathompson, ah dommage, ce ballon qui glisse. Ouais. Dans les mains de Bakasso Minté. Ouais, paire de balles malheureuse pour Mulhouse. Roser Malonga pour Godou. Le main à main. Ouais, Jelin, il se retourne. Ça fait tourner le chrono. Ouais, reste 6 secondes. Oh, le drive. Ça manque de finition, il y avait encore un rebond offensif décidément. Incroyable. Il va falloir commencer. Je ne sais pas s'il va y avoir le nombre de records du rebond c'est offensif. C'est assez incroyable. C'est clair. Ouais, c'est bien ressorti, c'est propre, c'est très propre, c'est dommage. Là il était dans son espace, dans le bon espace, il s'est battu. Bakasso, il s'est rattrapé après ce ballon qui a glissé de ses mains. Et Deal, encore une fois, il adore ça. Ouais. Il adore ça, se faufiler et finir en tir drop. Ce petit flotteur qui finit dans le cercle. Il nous a fait une fois à droite et une fois à gauche. Ah ouais, les deux mains. Deux gros shoots de Quentin Deal qui permet à Mulhouse de revenir à égalité. 77-77 et il reste 45 secondes. Ouais. Oh, c'est chaud. 42 secondes et on est à 77 partout. Valentin Jelin. Oh, Valentin Jelin est contré. Il est contré. Il a dit non. Ouais. Il a dit non. Deuxième rideau pour Minté. Et il reste 7 secondes. Regardez ça, ce get back de Minté là. Bloqué. Ouais. Bon après il faut dire qu'avec l'envergure qu'il a, hein, on a bien vu que il n'a pas beaucoup sauté. Armand Charles, attention à ses contacts. 30 secondes. Chuté, il ressort chuté. De l'écran. Il veut la retenter. Il veut la retenter. Et il la mise. Mais après, ouais. Après le buzzer, quel dommage. Ouais, c'est clairement après le buzzer. Oh, c'est le même tir qu'il a réussi. Juste avant la fin de la deuxième mi-temps, pardon. Oh, il est un petit peu en retard sur le tir. Quel dommage. Décidément, il met le feu à la Corotel Arena. Ouais. Roser Malonga. Ouais, il ne conteste pas la décision de l'arbitre et je confirme qu'effectivement, c'était après. C'était après. Après la sirène. Et ça donne, vous l'avez compris, à Mulhouse, l'opportunité à 22 secondes de la fin de passer devant et potentiellement aller chercher la victoire dans ce trophée Coupe de France. Sinon, on repartira pour 5 minutes supplémentaires. Place. Il recherche le. Oh là là, le speed move. Il est passé, il a voulu passer entre les jambes de Montanana. Il a 5 secondes. Il s'est récupéré. 4 secondes. Roser Malonga pour le capitaine. Valentin Jelin, non. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est non, encore dommage. Une prolongation. Incroyable. Encore une. One more time. Quelle heure il est là? Il est 22h30. Quelle heure il est? Ouais. C'est un match qui tient toutes ses promesses. Depuis le début, on a un chassé croisé. On revoit ce tir, regardez. C'était bien après l'horloge des 24 secondes. On revoit ça effectivement sur ce ralenti. C'est net, c'est clair. Les arbitres étaient vigilants et attentifs. Roser Malonga n'a pas pu valider ce tir de l'improbable, ce tir de l'impossible. Et on repart. One more time. J'ai l'impression qu'on va finir à la fin de ce match. Il y aura déjà les matchs U17 et U18 qui vont repartir. On va veiller toute la nuit. Hein, s'il faut faire 18 prolongations, on le fera. Ouais.
En termes de statistiques, on n'a pas beaucoup augmenté la réussite. On est à 34% pour Montbrison et à 36% en termes d'adresse générale. On a toujours autant de rebonds offensifs. 19 rebonds offensifs pour Muhouse et 21 rebonds offensifs pour Montbrison. C'est énorme. C'est énorme. Un nombre de secondes chances. Combien il en a, Godou, là, des rebonds offensifs là. Godou, sur ce match-là, je te le dis tout de suite. Des rebonds au total et offensifs. Ouais, 12 rebonds, dont 8 offensifs. Voilà, c'est ça qui me semblait. Hein. 8 rebonds offensifs pour Godou. C'est dire, il a pris plus de rebonds offensifs que défensifs. C'est improbable, incroyable, cette guerre du rebond. Et du côté de Mulhouse, c'est Grémongo, le meilleur rebondeur offensif avec 5 et Cani 4. Eh oui. Et en termes de scoreur, c'est bien Grémongo toujours qui est devant avec ses 18 points. Mais en revanche, il est sorti pour 5 fautes. Pour 5 fautes. En tout cas, le proverbe n'a pas tenu ses promesses parce qu'on a vu que c'est Mulhouse qui ont marqué le premier point et on est reparti sur une deuxième prolongation. Ça fait combien de temps qu'on commente là? J'ai l'impression que ça fait 8 jours. Nouvelle prolongation, Show Must Go On, encore une fois, entre Montbrison et Mulhouse, complètement fou. Ouais, la sueur sur les visages. Hein. J'ai vu, je viens d'apercevoir le visage de Quentin Dill. C'est dire à quel point le garçon a livré bataille. Ouais. Ça... Il en a connu d'autres. C'est pas ça, voilà. C'est excitant dans une carrière de jouer une finale. En plus à Bercy, et voilà, les gars vont rien lâcher jusqu'au bout, même avec des crampes ou avec autre chose. Ça transpire, voilà. Effectivement, et encore un rebond offensif. Non mais faut l'arrêter, ce garçon. Hein. Il est en train de faire un match de l'improbable. Encore une fois, Godou. Il est dans la ligne de son match et de sa deuxième partie de saison. Il n'hésite pas. Et Cani, le catch and shoot. Oh là là, oh là là, ça s'enflamme. Ça s'enflamme complètement. Et Mulhouse passe devant. On voit ce tir, ce gros tir proposé par Ekani sans aucune hésitation. Jelin, ouais, il a fixé Godou, le Eurostep, il est bâché. Bonne défense de Metonsom qui était en deuxième rideau avec les bras bien tendus, provoqué un mauvais shoot. Oh, la bonne interception, le capitaine sur Quentin Dill, bien joué Valentin Jelin. Ce qui met mon chaud dans un état un peu... Voilà. Il fait effectivement, comme tu l'as dit, les 100 pas et il est énervé après cette paire de balles et on peut le comprendre. 3 minutes 53 au chrono. May Thompson. Ouais, il a une grosse défense là. Il va essayer de tenter un tir difficile. C'est smatché, c'est renvoyé en mode volleyball. Voilà. Oh, bien joué. Il est passé ou pas? Oui, il a réussi à éviter de jouer. Il y a eu du grabuge. Il y a des hommes à terre. Ouais. Et Roser, c'est lui qui est debout. Collision entre deux Mulhousiens. Et on a vu qu'Armanchat était trop court au niveau du rebond défensif et la volée des ballons pour son coéquipier. Très bien joué. Oh là là, il a envie de reprendre ce tir fantastique. Non, cette fois c'est non. Ouais, un petit peu court. 3 minutes 27 au chrono. Avantage pour l'instant à Montbrison. 1 point. Il y a marqué overtime sur votre écran. On est bien sur le deuxième overtime, la deuxième prolongation. Pendant qu'on revoit cette finition de Jelin pour repasser devant avec Montbrison. May Thompson. Oui, il s'applique, Mike Thompson. Malgré une bonne défense d'Armanchat, là. Armanchat a donné son corps. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il s'est écroulé, Armanchat, sur ce contact avec le Britannique. À mon avis, il a pris un coup de coude au visage. Mais bon, je pense que c'est solide. Et il va revenir très rapidement. On va revoir ça, justement. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mike Thompson et Armanchat? Alors, le contact à la régulière. Et je pense qu'il y a un coup en opposition, effectivement. Mais le coup de gauche dans le visage. Alors c'est bien défendu. Je pense pas que ça mérite une faute offensive. Non, ça siffle pas pour moi. Mais ouais, c'est bien défendu. C'est dans le jeu. Et les deux joueurs qui se... Et il reste sur le terrain. Il se salue. En Warrior, Armanchat qui tient. Il tient debout. Quelle finale. Quelle finale. Ouais, quel kiff. Comme on dit. Valentin Jelin, il vient de marquer et là il fait une petite erreur de main là. Petit airball alors qu'il avait fait le plus dur en passant devant toute la défense. Place, il n'hésite pas encore. Oh là là, que c'est culotté. Oh, que c'est culotté ce tir de Lucas Place. Il avait difficilement commencé ce match. Voilà, il était en difficulté face à Roser Malonga. Et là, il a trouvé de l'adresse, il a trouvé du tir. Il est bien. C'est son deuxième tir à 3 points du match. Valentin Jelin, Godou. Godou pour se trouver un chemin, c'est pour Charles
Et c'est finalement pour Oser Malonga. Oh, bien joué, bien écarté pour Boldoir. Il est tout seul à 3 points. Ah, c'était bien joué. Extra passe dans le corner. 4 points d'avance pour Pastat. Non, Lucas, il est complètement fou, ce gars. Il est complètement fou, là. Ouais, ça énerve un petit peu Ekani parce que ouais, je suis d'accord avec lui. C'est un tir un petit peu rapide. Même s'il a marqué celui-là d'avant, là, il faut faire preuve de contrôle. Il est en confiance. Ouais. Jelin pour Charles. Allez, au post-op. Ah, Godou, il peut s'imposer dans le trafic. Non, 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 il réclame une faute. Faute. Ouais, je suis d'accord au niveau avec lui. De la tête, il se plaint du visage et il va retrouver sa place. Attention, parce qu'il n'est pas de retour dans la peinture. Et il y a voilà, une match-up favorable sur Oser Malonga. Ça revient sur D, il est à 3 points. Oh là 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 là. Les Alsaciens sont sortis dans ce deuxième, dans cette deuxième prolongation après place, c'est Dil. Dil qui passe meilleur marqueur mulhousien avec son 20e point. Super important ce panier. Et grosse défense derrière de May Thompson qui contre un tir à 3 points de Armand Charles. Mulhouse a pris clairement l'ascendant avec 7 points d'avance et 1 minute 15 à jouer. Et possession derrière pour Mulhouse Fastat. Lucas Place, attention. Ça peut être décisif, ce genre de petite situation. Quentin Dil. Oh là là, le rebond offensif. Là, ça discute entre l'arbitre et Arthur Ekani. Et Quentin Dil en bon capitaine tout de suite qui calme son coéquipier. Ça ne sert à rien de mettre les arbitres à dos à ce moment du match. Il a deux lancers points importants pour permettre de passer à plus 9. Ouais, ça peut être décisif. Ça peut être très décisif si ces deux tirs, ces deux lancers plutôt, venaient à être réussis par Arthur Ekani. Nous sommes bien dans la deuxième prolongation pour ceux qui nous rejoignent à très exactement 22h43. Voilà. Ah, c'est manqué. Ça a manqué. Ça redonne un peu d'espoir au BCM. Ekani. 1-0-4 au chrono. Il met le deuxième. Ouais, il prend pas le temps mort. Jérémy Beaufort, il aurait pu et ça offre une possession. Ils vont chercher le tir à 3 points, je pense. C'est Valentin Jelin qui prend ses responsabilités, c'est manqué et ça revient. Ah, ils sont battus. Matt Montanana, oh là là, attention à ce ballon, est-ce qu'il va être perdu? Oh, c'est bien négocié, c'est très bien négocié. Oser Malonga qui a demandé à Jelin de se pousser. Il lui remet, Boldoir, catch and shoot. C'est ressorti, Montanana, nouvelle possession. Catch and shoot encore. Armand Charles, nouvelle possession. Ça s'arrache. Ça s'arrache à Montbrison. Ils ont pris quoi, 3 ou 4 tirs à 3 points d'affilée là? Ouais, je crois que c'était 4. Hein. Ouais, 4, malheureusement, les 4 n'ont pas été. Aucun n'a été réussi. À 28 secondes du terme, c'est terrible. Ouais, mais bon, c'est pas fini. Il y a deux lancers francs ici pour Valentin Jelin. Et c'est pas fini, c'est pas fini. On sait que ça va très très vite. Premier lancer franc réussi. Deuxième malheureusement raté, mais il récupère le rebond. Terrible pour Montbrison parce que la Mulhouse sur la ligne des lancers a l'opportunité quasiment là de remporter le match après ses échecs derrière la ligne à 3 points de Montbrison. 24 secondes, on ne demande pas le temps mort du côté de Jérémy Beaufort. Je pense que là c'est cuit. Je pense que là c'est cuit. Oser Malonga qui se précipite et il a perdu le ballon. It's over, ladies and gentlemen. It's over. Lucas Place qui en conclut. Il a perdu le ballon, Oser Malonga, la tête un petit peu dans le seau. Parce qu'il le sait, ce tir tout à l'heure qui a été refusé après le buzzer. Ouais. Et cette Coupe de France qui retourne en Alsace après une victoire de Kaisenberg. Voilà. Victoire pour Mulhouse-Pastat.
alors que c'est la première saison du club après la refonte. On le rappelle, Mulhouse qui s'est associé avec Pastat. Ils ont fait front commun, ils ont monté une équipe de guerriers et ils sont venus s'imposer avec l'expérience, toute l'expérience de Jean-Luc Monchaud. Quelle victoire des combattants des deux côtés, faut le dire quand même, parce que Montbrison n'a rien lâché tout au long de la rencontre. 93-82, victoire pour les Alsaciens. Quand tu vois les joueurs comme ils sont, les mains sous les genoux, quelle débauche d'énergie pendant 50 minutes. On a eu un match de basket vraiment plein, avec des belles actions spectaculaires des deux côtés du terrain, des rebonds offensifs, des alley-oops. Et puis surtout Mulhouse qui a bien géré cette deuxième prolongation malgré la cinquième faute de Grémongo. Et c'est clairement Quentin Dill en tant que capitaine qui a pris le relais dans le scoring. Et Mulhouse a mieux géré cette fin de match. Voilà, Coupe de France qui prend la direction de Mulhouse. Mulhouse Pastat et Diora. Et ça célèbre de part et d'autre du côté évidemment des Alsaciens après la défaite de Kaisersberg l'an dernier. Ils remportent ce titre du trophée Coupe de France. Ils ont été plus forts mentalement peut-être sur cette fin de match. Une victoire après deux prolongations. L'année dernière, on en avait vécu une. Là, c'était deux. Un match de guerrier, complètement. Un match de guerrier des deux côtés, vraiment. Surtout, quelle saison de Mulhouse, hein. Première place avec une excellente saison, avec 24 victoires, 2 défaites. Et ils enchaînent avec le trophée de Coupe de France. On peut que féliciter le travail de Jean-Luc Monchaud, pardon, et de tout son staff. Et je sais pas si tu vois sur ta gauche, mais il y a les Strasbourgeois qui joueront une finale demain. Les Strasbourgeois U17 qui ont une finale à jouer demain contre Cholet, qui sont venus parce qu'il y a beaucoup d'associations. Il y a certains joueurs qui ont des connexions avec cette équipe de Mulhouse Pastat. Et on va retrouver Roser Malonga. Roser qui me rejoint. Roser, vous avez livré des deux côtés une bataille de warrior. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il fallait un gagnant, il fallait un perdant. On a donné tout ce qu'on avait. On a raté les tirs ouverts, les tirs qu'ils ont mis. Donc, il n'y a rien à dire, hein, c'est le basket. Hein. Il y a un gagnant, un perdant, on ne peut rien faire. Est-ce que tu as encore en tête ce tir que tu réussis et pourtant le buzzer qui sonne juste avant, à vraiment un millième de seconde? Moi, pour moi, il est bon, je le prends à l'instinct. Je vois qu'il reste une seconde, je tire. Il rentre, il n'est pas accordé, je ne peux rien y faire. C'est le bon du basket, c'est le basketball, je ne peux rien y faire. Il faut un gagnant, un perdant, comme j'ai dit. On s'est donné à fond et voilà, on est le perdant. Après, on a fait une bonne saison, on ne va pas cracher tout ce qu'on a fait. Donc voilà, quoi. Je suis content de mes coéquipiers. J'ai passé une super saison. Et voilà, merci surtout à nos supporters qui sont venus jusqu'à Paris. C'était super, super touchant. Ils étaient derrière nous tout le match. Franchement, c'était vraiment cool. Merci, Roser. Et on va accueillir le MVP de la rencontre. Il va me rejoindre, c'est le capitaine, c'est Quentin Dill. Mister Good Dill, comme j'aime à t'appeler. Quentin, ouais, félicitations. Merci. Félicitations. T'as porté ton équipe ce soir. Des tirs clutch, un gros tir à 3 points sur la fin de match qui fait la bascule. Ouais. Comment tu l'as vécu? C'est pas forcément que moi, là, c'est un état d'esprit. On s'est battu avec le cœur. Là, c'est vraiment, on allait chercher cette victoire après 2 prolongations. On sait les matchs comme ça, on sait comment ça joue, c'est sur l'intensité, sur le cœur. On réfléchit plus après, on était dans le rouge. Voilà, c'est franchement, c'est super. Les gars, ils sont héroïques. Je kiffe cette équipe, honnêtement. Là, je suis. Ouais. C'est magnifique. C'est un grand bravo à l'équipe de Montbrison parce que franchement, déjà leur saison, j'ai suivi un petit peu, ils ont fait une bonne saison. Et là, ce soir, grâce à eux, deux bonnes équipes, on a réussi à faire un match fantastique comme ça. Donc voilà. C'était un match de guerrier, clairement. C'était le mental qui l'a emporté ce soir. Non, clairement, sur la fin. Des petits détails. On n'était pas bon en première mi-temps, trop de balles, trop de pertes de balles. Et voilà, après on a réussi à rectifier le tir, mais c'est à l'envie, ces matchs-là, c'est à l'envie. Et on te retrouve dès la semaine prochaine. Il y a les playoffs qui arrivent. La saison n'est pas terminée pour vous contre Laval. Là, on va juste fêter. Ensuite,
lundi, on se remet au boulot parce qu'il y a vraiment un gros match à jouer vendredi, samedi prochain. Donc voilà, on va se remettre au boulot. Vous pouvez être fier en tout cas, bravo. Allez, les Mulhousiens qui ont super bien géré cette dernière prolongation qui remporte 5-16. Et voilà, c'est sûr que Montbrison est à féliciter parce qu'ils ont fait donné une grosse débauche d'énergie. Ils ont dominé la bataille du rebond avec 25 rebonds offensifs, mais malheureusement, ils ont raté un petit peu trop de lancers francs. Ils terminent à 15 sur 25 à 57%. Mais le match a été âprement disputé. Et on tenait aussi à féliciter Mulhouse. Je pense que l'apport du banc mulhousien a été un petit peu plus importante, notamment dans cette fin de match. Et maintenant, on va souhaiter bonne chance à Mulhouse pour la suite des playoffs. Et puis à Montbrison de repartir l'année prochaine sur cette bonne note de fin de saison. Quel match on a pu commenter en direct. C'était exceptionnel. Deux prolongations en direct, on l'a vécu. Une victoire à l'arrivée des Alsaciens qui se sont battus tout au long de la soirée. D'abord, merci Lucas de m'avoir invité parce que j'ai vraiment pris mon pied. C'était une première expérience vraiment super enrichissante. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et des matchs comme ça, on prend quand le plaisir. On adore le basket, on est tous des passionnés. Et je pense que ce soir, tous les gens qui étaient dans la salle, nous deux également, on a pris notre pied, on a eu un super match. Et c'est pas fini, évidemment, la fête du basket français qui ne vient que de commencer. Et oui, dès demain, on se retrouve sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket pour deux finales en intégralité, diffusées sur le même canal. Entre eux, il y a la revanche. La revanche, elle est importante du côté des U18 filles, entre Mondeville et l'ASVEL. Ça sera demain. Et puis, on a aperçu les Strasbourgeois tout à l'heure qui se préparent pour cette finale face à Cholet du côté des U17. Ouais, effectivement, je pense que ce sera aussi une belle journée demain. J'espère que tu vas bien récupérer. Il y a une voix à récupérer là. Belle journée qui t'attend. Ouais, j'ai pas mal crié évidemment. On salue tout le monde qui nous a regardé tout au long de la soirée. On se retrouve dès demain ici même à Paris pour commenter ces finales du côté de la Corotel Arena. Salut tout le monde. Mesdames, messieurs, ils sont vainqueurs de ce trophée masculin. Édition 2019, les finales Coupe de France de basket. Applaudissements pour Mulhouse.